Donc, elle suffit à Massadi, de Montréal, parce que Montréal, c'est devenu un passage obligé de la lutte pour l'identité, la citoyenneté, la démocratie, l'identité. Donc, il y a des gens qui sont de Paris, il y a des gens de Bruxelles, qui sont venus à la guerre de la Gare Saadi, il y a des gens qui la conférence à Guinness. Bonjour et merci de votre accueil. Nous sommes prêts. Je voudrais simplement signaler un ouvrage qui me tient qui est à cœur et pour vous dire la vérité, c'est pas son mais c'est celui dont je suis le plus fier, c'est celui que j'ai fait chez les frères. Non, je l'ai fait, c'est pas celui qui est le plus connu, mais moi c'est celui dont je suis le plus fier. Parce que, il fait partie de ces gens qui ont tout donné et qui n'ont pas parlé. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Merci de votre invitation, merci de votre accueil. Avant d'introduire le débat, je voudrais vraiment du fond du cœur saluer les amis de la Fédération des Amazirs d'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord, le Rapius Révélateur, parce que ils activent, et je sais combien il est difficile d'activer en tant que bénévole, mais surtout dans la conjoncture actuelle, ils font l'effort de travailler ensemble, même si les parcours sont différents, même si les opinions sont différentes, ils apportent la démonstration dans la phase actuelle, qui est particulièrement essentielle pour la Guinée et pour toute la région d'Afrique du Nord, de faire preuve d'écoute, de tolérance, et je reviendrai sur cet aspect des choses. Donc je tenais absolument à saluer cette généreuse disponibilité qui pour moi est la meilleure des intelligences. J'en profite aussi pour remercier les gens d'Amérique du Nord qui ont apporté un soutien, même très modeste, au procès que j'engage par ailleurs contre des voyous qui essayent d'intimider, d'impressionner ou de perturber le débat politique. Ne sous-estimez jamais ce genre d'action. Voilà, je tenais absolument à le faire maintenant. Si vous avez dit. Mon intervention m'a demandé d'intervenir autour d'avril 80. D'abord, c'est la période. Et je pense qu'autour de ce mouvement, beaucoup de choses restent à étudier, à analyser. Donc, je vais essayer de dire assez rapidement devant vous, de mon point de vue, d'où est venu ce mouvement, un syndicat. Comment il s'est exprimé, comment il s'est manifesté, et surtout en quoi est-ce que ça a été un moment fondateur d'une mise en perspective sur la dimension nord-africaine. Lorsque nous sommes ma génération, en gros pour dire les choses un peu simplement, la génération d'après-guerre, est arrivée à l'indépendance, nous attendions, en tant qu'enfants de la guerre, à vivre dans le paradis. Mais c'est ce français dans cette jeunesse-là. Malheureusement, moi j'étais adolescent en 62. Très rapidement, mais vraiment très rapidement, les jeunes qui ne savent pas doivent être informés de cela, il y a eu un désenchantement terrible. Dès l'été de l'indépendance en 1962, les maquisards néons, les gens du FLN, qui étaient censés être ensemble pour construire une destinée de générosité et de liberté, se sont très violemment affrontés, le sang a coulé, il y a eu du rêve pour l'armée des frontières, et on s'attendait à tout sauf à ça. Donc, première désillusion de notre génération, c'est que nous avons été volés de nos rêves. Et on s'est dit qu'il va falloir essayer de réfléchir un peu. Comment se faire sa place d'adolescent sur le plan social, d'élément berbérophone dans une région, dans un pays, dans un pouvoir qui disait très clairement que la vie indépendante devait se construire par l'élimination de la dimension kabyle et amazigh, et puis dans un moment de violence. Donc on était un peu perdus.
Et cette génération-là n'a pas eu un parcours ordinaire. D'habitude, quand les gens arrivent sur la scène politique, c'est qu'ils ont été pris en charge par des partis, dans des anciens militants, dans des anciens dirigeants, dans des mouvements politiques qui ont une expérience qui les amène à avoir un apprentissage. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'âge un peu adulte, à la fin du lycée, au début de l'université, on vivait à l'époque Bongien, c'est-à-dire c'était la dictature totale. Il était impossible de dire un mot s'il n'était pas validé par le FLN. Et puis il n'y avait pas de parti politique en dehors du FLN. Or le FLN, c'était précisément le problème, c'était pas la solution pour nous. Et donc on a pris un chemin complètement atypique. On s'est retrouvé au palais des gens de culture. On s'est retrouvé à essayer de lire quand on trouvait un ouvrage, parce qu'on ne rentrait pas à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc c'est comme ça qu'on a fini par essayer de se reconnecter à des gens comme Jean Amroche, à sa sœur Taos, et puis à Moud Mamri, et puis à Kat Biesi, et puis à Mohamed Issiaran. Donc ce sont des gens qui étaient totalement extérieurs à l'action partisane qui nous ont amenés à nous éveiller à la vie publique. Je ne dis même pas politique, à la vie publique. Et je pense que c'est notre chance. Parce que, comme on n'était pas dans une structure partisane, on n'avait ni échéance, ni agenda, ni contrainte. On était en droit, en toute autonomie, en toute liberté de réfléchir sur tout ce qui nous paraissait mériter attention. Quand vous êtes dans un parti, il y a la discipline, il y a les échéances, il faut dire ça, il faut faire ça, il y a un programme, c'est normal, hein, c'est pas péjoratif. Mais nous, on a été accueillis par un monde intellectuel où le débat était absolument libre. Et l'essentiel de notre éveil à la chose publique s'est fait soit dans la radio, on animait des émissions, assez bien faites d'ailleurs, on ne nous laissait pas très longtemps les animer, dans le cercle de culture berbère de Benagnou, il y avait une troupe de théâtre qui avait sillonné tous les bourgs de Kabylie, ou bien autour de la JSK, qui était autre chose que ce qu'elle est devenue, ou bien dans le cours de Berbert Moulouda Mamri, qu'on avait commencé à 2-3 et qui avait fini à la fin des années 60 à se faire dans un amphithéâtre, on était 700-800. C'est devenu une espèce d'agora, de matrice, où il n'y avait pas que l'enseignement de la langue, il y avait l'histoire, il y avait la sociologie, il y avait toute une série de repères qui étaient occultés. Et c'est là qu'on a découvert la fameuse crise de 49. Je pense que pour ma part, là je parle pour mon nom, je ne peux pas parler au nom de mes autres camarades, mais je ne crois pas trahir leur opinion en disant que nous avons tous été marqués par cette fameuse crise de 49, qui à ce jour est peu ou mal étudiée, pour ne pas dire franchement instrumentalisée. C'est un moment capital dans la vie démocratique du mouvement national. Et malheureusement, elle est toujours sous pression de ce qu'on appelle, pour faire rapidement, la gauche arabe, qui essaie soit de la réduire, soit de lui donner une orientation qui n'est pas la sienne, de telle sorte à délégitimer le fait amazigh dans la construction de la nation algérienne. Et il se trouve que j'ai connu un certain nombre des acteurs de l'époque. C'est moi qui ai amené Mourouk Belhoussine, maître Mourouk Belhoussine. Alors Mourouk Belhoussine, c'était un jeune avocat dans les années 40, et c'était lui qui servait de lien entre le groupe de Benaknoul et les membres du comité central, notamment Amr Hamouda, lorsqu'il a fallu imposer la perspective identitaire dans le débat du mouvement national. Ça s'est évidemment très mal terminé. Je raconte la manière dont nous l'avons vécu dans le temps 3 de mes mémoires. Mais ça a été un moment pour nous fondateur. Et c'est comme ça que j'ai fini par interviewer pour la revue sous Itamar al-Mohamdouini, qui était un des éléments donc, du lycée de Benaknoul, et c'est lui qui a fondé le fameux chant Kermis Soumazir. Lorsque j'ai appelé Maître Mourouk Belhoussine pour faire une conférence sur la dimension identitaire dans la crise de 49 à Ouédah, ici, c'est là qu'il m'avait remis la fameuse revue Idir-Ouattani, que peut-être vous avez eu le temps de lire entre-temps. On en a fait de très larges extraits dans Tefsouz, mais on a vu Roméo, il fallait acheter le papier clandestinement pour ne pas se faire opérer, donc on a essayé de faire ce qu'on avait pu faire.
Parce que dans l'ancienne classe politique, la crise de 49, on s'en est rendu compte, était restée comme un traumatisme. Elle était même vécue comme une séquelle que beaucoup voulaient oublier. Alors certains voulaient l'oublier parce qu'ils ont perdu leurs amis, parce qu'il y en a qui avaient été éliminés par le FLN. Certains ont fini par se dire peut-être que ce n'est pas une question qui va faire du bien à la nation, compte tenu du fait que Boumdine avait dit que j'aurais accompli en gros ma mission le jour où je ferai en sorte que l'enfant qui sort de l'école ne puisse plus comprendre ses parents. C'est un bel objet, mais c'est un beau projet dans la société algérienne. Et donc, plus on grattait autour de cette crise de 1949, plus on devinait qu'il y avait quelque chose de fondamental qui s'était passé. Et lorsque vous lisez maintenant ce document, et notamment la préface de Maître Mbrokhe-Belhosni, vous voyez qu'elle est traversée par la problématique identitaire de bout en bout. Et bien, à ce jour, les études essayent de la stériliser, de l'édulcorer de sa dimension identitaire. Il est donc important d'attirer l'attention sur cet événement qui, pour nous, fut capital. Le deuxième élément qui nous a amené à l'éveil un peu politique, ça a été le congrès d'Assouma. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que même si la question de la langue amazigh n'a pas été abordée dans le congrès d'Assouma, on s'est rendu compte qu'il y avait une audace conceptuelle et politique qui faisait que l'Algérie pouvait se construire sur des référents à peu près conformes à la réalité sociologique du pays. Les plus anciens le savent, c'est le congrès d'Assouma qui a donné les grades, le jugement de l'armée, la discipline militaire, et c'est là qu'il y a aussi l'organisation territoriale du pays. Il y a eu notamment 6 wilayas qui sont sortis depuis 1956. Et quand on regardait bien ce découpage, on s'est rendu compte en fait que la mise en perspective de l'Algérie indépendante, parce que le congrès d'Assouma, c'est là le texte qui a donné, qui a fait passer le combat du peuple algérien du stade de révolte, 1er novembre 1954, c'est une révolte, à celui de révolution, c'est-à-dire il y a eu une étude, une réflexion, une mise en perspective, une organisation et une projection sur le lendemain de la guerre. Et donc, en regardant bien comment a été organisé le pays, on s'est rendu compte que la Wilaya 1, en fait, c'était les Aurès, en réalité. La Wilaya 2, c'est le nord constantinois, qui représente une zone naturellement homogène. En regardant bien les limites de la Wilaya 3, c'était en fait la Kabylie. La Wilaya 4, c'était l'Algérois, le centre du pays. La Wilaya 5, c'était l'Oranie. Bon, la Wilaya 6, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment une implantation du FLN. Ils ont mis Wilaya 6 comme ça. Ça aurait mérité probablement un démembrement d'autres Wilayas parce que c'est vrai que la Sawara ou le Rogar n'étaient pas tout à fait pareils. Mais globalement, on s'est dit, bien, il y a quand même des dirigeants politiques qui ne sont pas aliénés par la vision, le complexe du colonisé, qui faisait que si on ne faisait pas la même chose que les Français, on n'était pas libre. Et le FLN d'après-guerre a été victime du complexe du colonisé. Alors, il y a un Hizb français, mais il n'y a pas plus Hizb français que le FLN d'après-guerre. Ils ont absolument reproduit le schéma institutionnel de l'État français, la culture républicaine au moins d'ailleurs. Ils ont appelé le Wali, Menes Wali, mais c'est le préfet. Le chef de Daïra, c'est le sous-préfet. Le président de l'Assemblée populaire communale, c'est le maire. Ils ont pris. Le mimétisme a été complètement aliénant. Sauf que l'histoire de l'Algérie, l'étendue de l'Algérie, la sociologie de l'Algérie, la réalité linguistique et culturelle de l'Algérie n'a rien à voir avec la France. Aggravé en cela par le fait que très rapidement ils ont collé dessus le léninisme, c'est-à-dire le centralisme démocratique qui empêche tout débat. Et puis arrivé une autre troisième toxine, c'est l'islamisme. Donc on a eu la totale. Le jacobinisme, l'islamisme et le léninisme. Voilà ce que tu dis. Et donc très rapidement, pour aller à l'essentiel, on s'est dit c'est pas dans les propositions du FLN qu'on va trouver notre affaire. On s'est libéré de tout, mais vraiment de tout, et on a décidé de mener une réflexion totalement autonome
sur la base d'une analyse libre, mais vraiment totalement libre, de l'histoire du pays, de la sociologie du pays, de la géopolitique nationale, pour faire une offre politique qui n'existe nulle part, c'est ce qu'on appelle la refondation nationale. Donc voilà en quoi est-ce que l'esprit d'Amélie 80 est à la fois un esprit de fidélité, du point de vue de l'éthique, c'est-à-dire qui consiste à ne pas aboyer avec la meute, ne pas faire ce qu'a fait la France, ne pas faire ce qu'a fait l'Égypte ou le panarabisme. Il y a une fidélité par rapport au courant rationaliste du mouvement national, mais il y a aussi une rupture dans la manière de proposer, de libérer les esprits, d'ouvrir des perspectives, même s'ils n'existaient pas dans la tradition politique du pays. Il y avait une liberté réelle, intellectuelle et politique qui n'avait jamais existé dans l'histoire de la jeunesse indépendante. Je ne crois pas dire ça parce que je suis un des acteurs de ce mouvement-là, mais c'est une nouveauté. Ajoutez à cela qu'on a très rapidement compris qu'on n'avait surtout pas intérêt à nous embarquer dans la violence, même si le régime était oppressif, même s'il ne tolère aucune contestation, aucune idée libre. On s'est dit, on va parler en toute liberté, mais il ne faut surtout pas qu'on mette le doigt dans l'engrenage de la violence, parce que c'est la culture du mouvement national. Pour des raisons, je ne juge pas. Hein. Moi, je dis tout, j'écris tout, mais je ne juge jamais. A posteriori, c'est facile hein, de refaire le film et de juger. On peut trouver des explications à la violence du mouvement national, d'abord, dans ce qu'était la réalité historique de la société algérienne, c'était tribu contre tribu, et puis la violence coloniale avait engendré, induit une réaction de violence réactionnelle, et ça a fini par devenir une forme de culture politique. Et on s'est rendu compte que dans l'Algérie officielle, l'Algérie indépendante, faire de la politique, c'était abattre son vis-à-vis. C'était pas essayer de discuter, d'écouter, d'échanger, peut-être d'ailleurs dégager un consensus, un compromis. Donc, Boumdine a pris le pouvoir en éliminant le GPRA, c'est le premier coup d'état de l'Algérie indépendante. Par la suite, il a éliminé Ben Bella qui l'avait installé au pouvoir. C'est aussi par un acte de violence. Ensuite, Boumdine a failli être éliminé par Zbiri, qui avait fait une tentative de coup d'État, ça a raté, mais c'était quand même un acte de violence. Donc on s'est dit, si on perpétue la culture de la violence, nous allons absolument hypothéquer toute forme de réflexion, de proposition, de débat. Et là, je pense que je vous demande d'être attentif à ce mot « débat », parce qu'il est plus que jamais d'actualité. Nous devons impérativement réintroduire le débat, et c'est en ce sens que je tenais vraiment à saluer les animateurs de la Fédération des Amazighs d'Afrique du Nord. Réintroduire le débat, nous l'avions pressenti comme la seule arme efficace contre l'arbitraire déjà en 80. Il y avait de l'abus, il y avait de la violence, la sécurité militaire trouvait un jeune avec un analphabétisme funéraire. Il l'a arrêté, il torturé, etc. Mais on s'est absolument interdit de répondre par la violence et ça a payé. C'est pas facile, toujours, de se retenir. Ce n'est pas facile de travailler discrètement, parce qu'on ne vous voit pas, parce que votre action n'est pas visible, parce que c'est pas évident de faire du travail de proximité, c'est pas évident de régider les choses dans la clandestinité, alors qu'on aurait pu être sur le relais de Mounir. Il y a un petit groupe qui était sincère. Ils ont été manipulés par les services, mais ils étaient sincères, eux. L'affaire des poseurs de bombes nous avait traumatisés. Dès que la violence avait été instillée dans notre mouvance, nous avions perdu 2-3 ans avant de rebondir avec nous. Et donc, le défi d'aujourd'hui, c'est celui de réintroduire d'abord dans nos rangs la tolérance, l'échange apaisé, l'écoute et l'argumentation. Il est impératif d'extirper la violence et la haine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé le top 3 de mes mémoires la haine comme rivale. C'est le principal problème, le rival le plus dangereux qui guette aujourd'hui aussi bien le combat mazir que les luttes démocratiques, c'est la violence endogène. D'abord, elle empêche de sensibiliser, donc d'élever la conscience du citoyen, de voir
quelles sont les solutions possibles, quelles qu'elles soient par ailleurs, mais surtout, quand il y a une violence, le pouvoir stimule, on ne connaît pas les semaines. C'est très facile de titiller un milieu tendu par la violence. Vous pouvez susciter des animosités, des adversités, ou là, il y a un moment où le pouvoir peut s'occuper uniquement de manipuler la colère et les violences. Et regardez de haut, il n'a même pas besoin d'intervenir. Donc il y a un phénomène de neutralisation des intelligences et des énergies qui nous guettent. Ça, c'est pour l'aspect interne. Alors où en sommes-nous aujourd'hui, et très rapidement, nous avons compris que non seulement il ne fallait pas, en 80, qu'on se rétracte sur nous-mêmes, mais nous avons rapidement projeté notre réflexion, et là on doit beaucoup à Mouride Mamri, parce qu'il a vécu au Maroc, hein, l'idée de la mise en perspective d'un destin nord-africain. Pas du tout dans la conquête du pouvoir, on n'était pas là-dedans, mais dans l'idée de tirer vers le haut la conscience citoyenne. La sécurité militaire en 80 était 10 fois plus efficace que le DRS qui est aujourd'hui. On n'a pas eu un mort en 1980, pas un mort. On a réussi à gérer la situation parce qu'on était en fusion avec la population. Parce qu'on donnait des arguments, de la raison, du bon sens aux citoyens, ce qui fait que même lorsque la SM essayait d'intoxiquer, essayait de manipuler, essayait de provoquer, ça ne marchait jamais. Donc c'est... Quand je dis années 80, ce n'est pas de la nostalgie, je vais vous vendre une époque parce que j'ai participé. C'est une conception, c'est une approche qu'il faut absolument réhabiliter et elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et la mise en perspective globale, c'est sur la scène nord-africaine qu'on a projetée. Et pour tout vous dire, ceux qui disent on n'a pas avancé, on n'a rien fait, on n'a rien obtenu, on est massacré. Je ne dis pas que la Kabylie n'est pas soumise à la violence, on pourra en discuter tout à l'heure. Personnellement, je ne savais pas que le message de la masivité, qui n'est pas que la langue n'est qu'un élément de la masivité. C'est une manière de concevoir le monde, de se comporter, de se positionner par rapport à l'autre, d'évoluer dans son environnement, qu'il soit d'ailleurs physique ou social ou culturel. C'est une éthique. Et ça, on ne savait pas que ça allait porter aussi rapidement sur l'ensemble des pays d'Afrique du Nord, sachant le rouleau compresseur qui avait été mis à travers la télévision, l'école, la justice, les ASMA, etc., etc. Tout ça, c'était destiné à éradiquer la dimension amazigh. Et si vous voulez mon opinion, je ne cherche pas à vous remonter le moral, j'ai bien conscience que nous sommes, notamment en Kabylie, dans une phase de profonde régression. C'est pour ça qu'il faut être encore plus vigilant que d'habitude. Mais je pense sincèrement que ce qu'a dit un militant amazigh du Maroc qui s'appelle Ahmed Hassi, qui est intervenu dans un dossier qui a été confectionné par un journal que nous avons fait avec des amis tunisiens marocains qui s'appelle ADLMED, et il disait qu'il y a un point de non-retour qui est atteint par la question amazigh. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, hein, pas non plus un Samouyamen d'ailleurs. Mais ça atteint un point de non-retour. Lorsque vous voyez des jeunes Tunisiens qui ont perdu la langue et qui arrivent sur les plateaux des télévisions chaque semaine revendiquer leur belle vérité, ça à la fin. Contester complètement, démystifier la conquête arabe. Moi j'ai mis une vidéo où il y a un jeune de 25, 26 ans et il disait des choses sur Rabba ibn Nafar qu'il ne dirait pas le jeune Algérien. C'est pas pour nous enseigner à l'école qu'il est venu nous apporter la bonne parole. On sait bien qu'on est gobé ça quand on était enfant, mais aujourd'hui on est assez grand, on a la bonne parole. Ça a consisté à piller la région, ça a consisté à prendre des femmes pour les vendre sur le marché de Bardin. C'est un occupant, c'est un concurrent, il faut qu'on le dise très clairement. Et des débats comme ça, il y en a plein en Tunisie. Alors que c'est un pays qu'on considérait être complètement sorti de la problématique amazigh. Pour autant, il y a une menace sur la Kabylie, je vais finir très rapidement sur là. Actuellement, il y a une vraie menace sur la Kabylie. Je parle de la violence indigène, c'est la première menace, mais il y a la menace du pouvoir. L'équipe actuelle est une équipe nostalgique du bourdieusisme. Pour eux, si jamais on repart aux années 70, de Bouzouni, d'Al-Hus, Nasser Oumed, et bien l'Algérie va vivre bien.
Et le problème, c'est qu'il y en a qui sont convaincus de ça. Bon, il y en a qui en jouent, hein. Mais il y en a qui sont convaincus de ça. Et pour eux, la restauration du panarabisme est une condition de nouvelle visibilité du pays. Il y a, dans l'histoire de l'Algérie indépendante, vous avez des points de repère très simples. La question amazigh est l'élément qui permet d'apprécier l'avancée démocratique ou pas. Si elle est tolérée, si elle évolue, vous êtes sûr que la liberté publique, le respect des droits des femmes, la liberté d'association, la liberté de la presse avance. Vous faites vraiment un graphique, hein. À chaque fois que la question amazigh évolue positivement, vous avez les libertés démocratiques qui sont parallèlement et évolutives. Inversement, à chaque fois qu'il y a une fermeture sur la question amazigh, vous avez une régression sur la scène politique, en termes de liberté. Il y a un deuxième élément qui permet d'apprécier les intentions du pouvoir algérien, c'est la manière avec laquelle il traite de la question palestinienne et de la question sahraoui. Quand ils la mettent systématiquement devant, ça veut dire qu'il faut faire diversion sur la fermeture à l'intérieur et qu'il faut absolument amener l'Algérie à oublier comment il peut se construire, comment on peut se voir, comment on peut se positionner. Donc, il faut l'amener à disparaître dans son existence réelle. Et là, on est en plein temps. Fuite dans le panarabisme et répression de la problématique identitaire amazigh. C'est assez paradoxal. C'est en Algérie que la question amazigh est née, qu'elle a proliféré, ce qu'admettent l'ensemble des amazighs d'Afrique du Nord. Et c'est en Algérie où elle se porte le plus mal au jour d'aujourd'hui. Alors, je vous passe les détails. Alors, dans la Constitution, la langue amazigh est reconnue langue nationale et officielle, formellement. À côté de l'arabe. Ils n'ont pas dit en dessous, mais c'est tout juste. Tu n'as pas à dire à côté de. Tu l'as reconnu ou tu ne la reconnais pas. C'est Athéna. Mais, alors ça c'est la Constitution qui le dit, mais vous brandissez l'emblème amazigh à Alger, vous allez en prison. Je ne sais pas si moi je ne suis pas très internet, mais je regarde un peu de temps en temps. Vous avez suivi la Coupe du Monde au Qatar. Les joueurs marocains, moi j'en ai vu plein, qui ont pris l'emblème amazigh autour d'eux, et ils sont rentrés chez eux, il n'y a aucun problème. Hein. Il y a une tenniswoman tunisienne qui s'appelle Ons Jabbar, qui est vraiment dans le top mondial. Ons Jabbar. Elle est dans le top mondial. En venant là dernièrement dans l'avion, je l'ai vu, elle a mis un t-shirt avec le Z, le sigle Z, je ne sais pas si vous. D'accord. Un sportif algérien n'a pas intérêt à faire pareil. La JSK, c'est presque l'étoile jaune, c'est terrible à dire. Les autres clubs algériens ont leur club avec leur famille, etc. Les Kabyles de Nassau, vous allez mettre le drapeau algérien, c'est-à-dire on vous tolère, mais il faut que vous apportiez la preuve en permanence que vous êtes digne de figurer, sinon il échec. C'est quand même terrible qu'un pouvoir commette ce genre d'infamie sans savoir exactement comment ça peut être perçu, comment ça peut être manipulé, comment des radicalités peuvent se saisir de ce genre de frustration pour ensuite provoquer des réactions tout à fait incontrôlables. Et ça, c'est un État qui le fait. Pour autant, nous n'avons pas le droit, je sais que c'est difficile, nous n'avons pas le droit de répondre par la colère. Parce que c'est exactement là qu'ils essayent de nous aspirer. Si jamais ils nous enfoncent dans une forme de réduction involutive, on est mort. Et ceux qui nous ont précédés l'ont compris, et vraiment je finirai là, nous-mêmes nous l'avons compris. Mouloud Mamri a fait une très belle étude que je vous recommande de lire. Il avait 22 ans. Il n'y a pas une ligne à enlever aujourd'hui sur la société berbère. Il a appelé société berbère, il n'a pas parlé de société kabyle. Parce que c'était, il voulait généraliser l'approche, la vision, la perception. La crise de 49, on l'appelait la crise berbère. Ceux qu'on avait attaqués, on les appelait les berbéristes. Parce que Zahran Meïla, Thoussaint Mourlir, si la dynamique s'étale et s'installe, ça devient une problématique géopolitique qui est infiniment plus difficile d'étouffer par l'intimidation.
il savait très bien que l'Académie berbère, il est Mouchaoui Amrachaoui Thahmarbin, Marmigadi de son vrai nom, il savait bien que c'était les Kabyles qui arrivaient avec lui. Mais il a appelé son Académie Académie berbère. Nous couvions en 81, on savait très bien qu'on était en Kabylie, on savait que c'était envoyé l'église, on se connaissait. Mais on appelait notre mouvement mouvement culturel berbère. Et je peux vous multiplier les exemples jusqu'à les. Et c'est ça. Et c'est ça qui effarouche les régimes algériens. Le plus fermé aujourd'hui, c'est le régime algérien. Si vous voulez, on va discuter du régime marocain, c'est un quoi. Ça dépend à qui on s'adresse, si c'est les conservateurs de l'Iskandar ou des forces progressistes. Mais l'élan de la dimension portée qui a germé en Amérique 80, à mon avis, a atteint un élan irréversible. Alors on m'a dit, vous n'avez rien ramené, etc. Il ne faut pas confondre un combat qui est destiné à prendre le pouvoir et une lutte qui a vocation à transformer le territoire et les mentalités des points de vue culturel, philosophique, mental, etc. Ça prend infiniment plus de temps. Donc il ne faut pas se tromper de lecture pour ne pas se solution. Et c'est en ce sens, je pense, que l'esprit d'Avril 80 mérite d'être revisité, à commencer par la crise de 49, sur laquelle nous avons commencé par ancrer notre réflexion originelle, fermée de nous. فنمر ثم السعدي فنمر ثم الكل انا عندي هذا الديبا مي قبل انا عندي هذا الديبا جو بغيت جوست بريسيزي فير دي بيتي بريسيزيون ان فري غادي لي ام ديبا بريسي لوسي سانز انفيكتيف اون اي بري ا ايكوتي توت لي كيستيون دونك ا افوار توت لي كيستيون سون تابو mais il faut que ce soit des questions précises. De débat. Donc on va gérer ça du mieux possible pour avoir le maximum de questions. Donc on va prendre mais on va prendre trois questions à la fois. Après, il y aura les trois autres questions. Quand on regarde la gestion, quand on regarde la question d'identité, la question, je dirais, le socle même, le levier même, je dirais proto-méditerranéen, de l'ensemble de cette région du monde, la question amazighe. Cette base-là, qui d'habitude aurait pu être le fondement d'une société pour lui donner la force de pouvoir se développer, si j'ai bien compris, c'est un peu l'indicateur de ce que le pays réussit ou échoue. Parce que la façon dont cette question, dans cette réalité évolue, nous donne une bonne indication de l'évolution des droits de la personne, de l'évolution de la démocratie. Pouvez-vous, monsieur Sali, s'il vous plaît, nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que cette dynamique-là permette à cette société, avec ce qu'elle est, et on sait qu'elle a une envergure importante aussi dans le monde, de pouvoir débloquer et de pouvoir se libérer et d'avancer démocratiquement. Excusez-moi d'avoir pris un peu de temps. Merci. Vous me permettez, ça va prendre 2 minutes et je vais finir. Il y a des questions. Monsieur Sadi va comprendre où je veux en aller. Donc, le groupe en 80, je passe le 10 mars, les premières manifestations du mouvement 80, c'était le 26 mars 80 à Alger, que souvent on passe sous silence. C'était l'une des premières manifestations publiques en Algérie, mais elle est passée sous silence, parce que si ceux qui l'ont organisé, c'était des étudiants d'EMDA, de Boumerdès et d'Alger. Même chose pour la marche du 7 avril 80, dont Sadi était l'un des acteurs, mais souvent elle est passée sous silence. Je vais finir avec ça. En 80, le mouvement 80 s'est prolongé en 1981, tant à Alger qu'à Bougie,
Il y a eu plusieurs manifestations, il y a eu des arrestations à Agir de 24 détenus en 1981, dont Ihsan El-Qadi qui est toujours en prison actuellement. Donc, juste finir avec ça, le mouvement 80, il avait des revendications claires, c'était la culture et langue populaire dans sa majorité l'arabe algérien, liberté d'expression, liberté démocratique qu'on a tendance souvent à ne permettre sur le tapis. Bon, le premier intervenant qui a dit en gros quelle est la solution pour sortir de la congélation politique un pays comme l'Algérie, vaste débat, ça dépend ce qu'on vise. Si l'idée c'est de changer littéralement de pouvoir formel, c'est facile, hein. Je peux même vous dire que les Algériens sont un peu spécialistes là-dessus. Il faut faire un push. Il y a eu des changements de gouvernement en Algérie, mais sauf que ça n'a absolument rien apporté de nouveau. Je comprends que dans le monde occidental, les gens s'étonnent qu'il n'y ait pas des changements, d'évolution, de mutation lorsque l'exécutif change. J'entends cette remarque et cette interrogation, cette interpellation. Dans un pays où les institutions sont stables et sont cohérentes, où la loi existe. Ce n'est pas du tout le cas. La réalité du système politique algérien, c'est que j'ai vraiment essayé de développer ça, parce que je sais que beaucoup d'amis étrangers sont étonnés dans le contrôle de mes mémoires. Celui qui est dans l'institutionnel fait souvent figure d'apparence, pour ne pas dire d'apparat. Vous serez étonné de savoir qu'un chef de tribu, comme un ancien colonel d'Aouilaya Indezores, qui n'avait pendant une vingtaine d'années aucune fonction officielle, sauf que toutes les tribus des Aurès lui avaient quasiment prêté allégeance. Eh bien, le ministre de la Défense, à l'époque, Hadnazar, pour ne pas nommer, qui était en poste, ne pouvait pas bouger le petit doigt s'il ne sollicitait pas l'avis de ce chef de tribu, de ce parrain. Donc la réalité, le problème de l'opacité du pouvoir algérien, c'est que le centre de décision, où il n'existe pas dans les structures officielles. Donc ça va être long, et nous sommes gramsciens. La mouvance à laquelle j'appartiens est gramscienne. On ne s'est pas installé dans la conquête du pouvoir, on s'est installé dans la transformation par le débat de la donne culturelle. Et c'est une fois que la culture sera devenue un élément, un moyen, un instrument d'échange, que l'évolution démocratique arrivera. C'est exactement ce que disait Gramsci. Donc on n'était pas dans la compétition du pouvoir. Et ça va prendre du temps. Alors, quelles sont les hypothèses d'évolution immédiate dans le cas algérien ? Ça, on ne peut pas dire dans le boule de cristal, on peut émettre des hypothèses en fonction des éléments les plus perceptibles, les plus repérables. Il y a d'abord la situation sociale, qui est absolument désespérante, alors que l'Algérie, après l'invasion de l'Ukraine, a bénéficié d'un bond des hydrocarbures, de rentrée en devise énorme. On est en train de les gaspiller, comme on a gaspillé des ressources financières autrement plus conséquentes. Sous l'air de Bouteflika, à titre d'indication, pour vous donner une idée, l'Algérie a gaspillé 3 fois le prix du plan Marshall, qui a servi à reconstruire toute l'Europe occidentale au lendemain de la guerre. 3 fois. Et au jour d'aujourd'hui, les hôpitaux sont des bouloirs, les écoles sont des niveaux de dégradation de la formation, le diplôme algérien ne vaut rien, et les acquis politiques, même les acquis de la liberté de la presse sont en train de s'éroder. Donc la crise sociale peut venir peut-être un facteur de perturbation et de précipitation qui change totalement la donne. Sauf que lorsqu'il y a une crise sociale qui explose, on sait comment ça commence, il est extrêmement difficile de savoir comment ça se termine. Et si il n'y a pas une préparation de ce qu'on peut appeler globalement les élites, c'est-à-dire les catégories sociales, les classes moyennes, qui peuvent assumer une rupture alternative, ce qui n'a pas été fait dans la révolution de 2019, eh bien, ça risque d'être un peu chaotique. Ça, c'est une hypothèse.
le deuxième risque, le deuxième hypothèse, c'est qu'un clan puisse en bousculer un autre. Ça s'est déjà produit dans la région algérienne. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Ça va être une compétition d'un clan contre un autre, ça va être une économie de rente. Et comme il manquera une légitimité, il faudra toujours essayer de justifier la prise de pouvoir, non pas par l'urne, mais par la surexploitation de la guerre de libération. Un investissement très rentable, hein, même si à mon avis il a perdu sa valeur à force d'avoir utilisé. Soit la dérive islamiste, et je réponds à l'autre question, est-ce que le régime n'est pas tenté de jouer de la survalorisation islamiste pour étouffer effectivement toute proposition alternative démocratique? C'est pas un risque, ils sont en plein dedans. Rarement le gouvernement algérien n'a assumé le fait islamiste dans les institutions comme il le fait aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas vraiment nouveau. Souvent on dit, on a souvent opposé l'armée et les islamistes. Ce n'est pas faux. Il y a même des affrontements sanglants. Mais ce n'est pas du tout. Ils ne sont pas affrontés sur le niveau des principes. Les islamistes, tant qu'ils sont là pour terroriser la société, pour empêcher l'émergence et la visibilité des luttes démocratiques, le régime non seulement les laisse, mais les encourage. Il leur donne plus de visibilité. Quand il ne veut pas réprimer le courant démocratique, il fait monter le courant islamiste. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer le jour d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, il n'y a pas de divergence en termes de projet de société entre le militarisme et les islamistes. Il y a affrontement lorsque la rente est contestée par les islamistes. Tant que les islamistes sévissent dans les universités, tant qu'ils agressent les femmes dans la rue, tant qu'ils veulent encore plus de religion dans le système scolaire, les militaires, ils sont contre-fiches. Il y a un mot. Tant qu'ils multiplient les mosquées, tant qu'ils les discours sont incendiaires, etc., etc., ça ne leur pose pas de problème particulier. Et je pense, je l'ai dit, voilà, l'islamisme, c'est l'assurance vie des militaires en Algérie. À chaque fois qu'il y a une alternative sérieuse, crédible, populaire, c'est-à-dire qui a gagné en largeur dans les profondeurs de la société, vous pouvez être sûr que d'une manière ou d'une autre, un courant islamiste va être encouragé. On l'a vu en février, dans l'insurrection citoyenne de février 2019. Moi, j'ai fait les 10 marches en Algérie, en Kabylie, Alger, etc. Ce n'était absolument pas la même population qu'il y avait, les 20 premières semaines et celles qui ont suivi. Les 20 premières semaines, j'ai vu d'abord une présence de femmes absolument faramineuses dans la rue. Il y avait à peu près un tiers. J'ai vérifié. Je suis resté 3h30 dans la foule. J'ai fait la rue des Douches, j'ai fait la rue Hassan Ben Bouali à la retour, j'ai fait l'avenue Pasteur, le tunnel de Fac, pour ceux qui connaissent ça, j'ai voulu voir en 2005. Pendant 3 heures, je n'ai pas vu un seul mot déplacé contre une femme. Pas un. Elle n'était ni voilée, ni rien du tout, ni une bousculade. Et les cadres, c'est-à-dire les classes moyennes, étaient partie prenante du mouvement. Les slogans, c'était « Jazair Hora Demokratia ». Mais dès que le pouvoir a compris que ça commençait à s'étaler, que la donne à mesure commençait à être acceptée par une partie importante de la population. Et ça, j'ai pris le soin de vérifier avec des amis. Je crois que c'est avec le passé que je parlais hier, quand j'ai appris qu'il y avait trois personnes qui étaient arrêtées à Oran pour avoir brandi l'emblème à Mazir et deux à Mascara. Pour vous dire la vérité, je pensais que c'était des Kabyles, vous savez tous qu'il y a souvent des communautés Kabyles installées à l'intérieur du pays, un peu partout. Franchement, j'ai pensé que c'était des Kabyles d'Oran, nés à Oran, qui portaient cet emblème-là ou à Mascara. Lorsqu'ils ont été jugés, j'ai vu que c'était des citoyens arabophones. Et c'est là qu'Gaïd Salah, parce qu'eux, ils suivent, par contre, a tout de suite, on va dire, pénalisé le port d'emblème à Mazir. Il y a quand même des gens qui ont été mis en prison. Et en même temps,
le mouvement islamiste à Rachette commençait à sortir petit à petit. Et là, on a vu une inversion de la courbe de mobilisation. Les femmes ont diminué dans la rue. Les classes moyennes ont commencé à devenir de moins en moins visibles. Et puis, petit à petit, ça a fini par finir, d'autant plus qu'il y avait un refus d'organiser, de donner du sens, une perspective à ce moment-là. Ça, c'est les services. Le peuple est dans la rue, celui qui veut descendre, parler avec le peuple. Populisme des services spéciaux algériens. Sauf qu'il y avait des gens de toute bonne foi qui reprenaient ça, en pensant bien faire. Un mouvement qui n'est pas organisé, il n'y a pas de contre-exemple dans l'histoire. Un mouvement qui il meurt. Ou bien il est récupéré, ou bien il est filtré, ou bien il est provoqué. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais je pense qu'en plus, il y avait des gens qui ont décidé de s'autoproclamer représentants d'Irak, au nom de quoi, par qui, on n'en sait rien. Et c'est là que l'islamisme est encore venu, une fois de plus, polluer la mise en perspective. Donc, pour répondre très clairement à votre question, oui, à chaque fois qu'il y a une vraie opportunité historique d'alternative démocratique, c'est rarement une répression directe. C'est arrivé, mais c'est rarement une répression directe. C'est souvent une mise en évidence, un dopage du phénomène islamiste qui vient polluer l'alternative. J'ai entendu le monsieur qui disait on a occulté des événements, moi. Alors il aurait fallu que je prenne 3 heures et si je ne vois pas qu'il est bon intérêt à occulter telle marche ou telle marche. J'ai commencé par dire qu'avril 80, je suis entièrement d'accord avec ce que disait monsieur. C'est pas, je n'ai jamais dit qu'avril 80, c'est le 20 avril 80, ni la grève générale. J'ai dit que c'est un esprit et une éthique qui dépasse largement une ville, un territoire, et je me suis vraiment félicité, même si j'avoue que je ne savais pas que ça allait aller aussi vite, que ça allait dépasser non seulement les limites de Tizi Ouzou, non seulement de la Kabylie, mais même de l'Algérie. Je vous dis qu'actuellement, la question amazighe évolue nettement mieux au Maroc, en Tunisie et en Libye qu'en Algérie. Donc je suis le dernier à dire que c'est une date, ou que c'est un individu, ou que c'est... Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui veulent se mettre devant pour récupérer ça. Bon, je sais que ça plaît de dire ça, mais je n'ai pas vu ça. On peut regretter que sur ce mouvement-là, par exemple, moi j'y travaille, hein, mais je ne peux pas tout faire. Hein. J'essaie d'écrire mes mémoires, j'essaie d'encourager les gens, je participe autant que je peux à un journal nord-africain. On peut regretter que vous auriez eu totalement raison de soulever ce problème-là, qu'il n'y ait pas eu de film sur avril 80, même pas un documentaire sérieux, pendant que les témoignages qui peuvent arriver, là on peut prendre le temps de dire d'où ça vient, comment ça s'est manifesté, etc. Comme il n'y a pas de film d'ailleurs, mais ça c'est une volonté politique, ce congrès d'Assouma, ce qui est un scandale. Mais là, c'est pas les institutions qui vont faire ce travail, parce qu'ils ne sont pas dans l'idée de construire une alternative pour une nation cohérente, fidèle à sa représentation sociologique, c'est dans la société que doivent émerger ce genre d'initiative. Et pour dire encore les choses plus simplement, ça ne va pas vous remonter le moral, mais je vais quand même vous le dire, n'attendez pas d'initiative positive au pays actuellement. Je suis en contact permanent avec des amis un peu partout dans le pays. Ils sont décidés à étouffer toute forme d'expression libre. Ils peuvent laisser échapper comme ça des souffles islamistes, mais actuellement, et il ne faut pas tomber dans les condamnations définitives, chaque peuple a le pouvoir qu'il mérite, si les Algériens ne bougent pas, c'est qu'il mérite ce qu'il arrive. Mais non, les Algériens ont fait ce qu'il était humainement possible de faire. Pendant des semaines et des semaines, les Algériens sont sortis pacifiquement, sachant qu'ils pouvaient se faire arrêter en affrontant avec leurs enfants des bombes lacrymogènes. Ils sont revenus. Ben, c'est les élites qui ont été incapables de définir une phase de transition, de faire une offre politique qui donne du sens et de la consistance à un mouvement qui n'a pas existé ailleurs. Moi, j'appartiens à un groupe qui a essayé de faire... une proposition qu'on appelait Algérie libre et démocratique, malheureusement est arrivé trop tard, qui
consistait à dire il faut que chaque daïra puisse dégager en fonction de sa population, sa densité démographique, un nombre X de représentants. Il faut que la diaspora soit invitée à constituer une puissante délégation, parce que rien de sérieux et de progressiste ne s'est accompli dans l'histoire de l'Algérie contemporaine sans l'intervention, voire même l'initiative de la diaspora. On pouvait, au mois d'avril, occuper la coupole d'Alger, et ils auraient cédé, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de résister, ils n'ont pas été capables de trouver un candidat à l'élection présidentielle, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Les ministres sont sortis, ils se cachaient. On se serait enfermé, il y aurait des islamistes là, pourquoi pas. On se serait enfermé là-dedans, ça aurait duré 3-4 jours, on aurait fait ce qu'on appelle une convention. Mais on pose la question à laquelle il n'a jamais été apporté de réponse depuis 1962 à ce jour, quelle société voulons-nous construire ? Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, toutes les insurrections, toutes les levées en masse, toutes les manifestations, si généreuses, si puissantes soient-elles, vont avorter. Et là, on ne peut pas tricher. Tout le monde dit, mais non, on est démocrate. Très bien, on oublie ce qui s'est passé. Très bien, on laisse ça à l'histoire. Très bien. Mais ne viens pas me dire, je suis démocrate, mais les règles démocratiques, on n'en parle pas. Là, tu es dans la rue. Si réellement tu es démocrate, ou tu es converti à la démocratie et que tu es sincère actuellement, tu ne peux pas faire l'économie des 6-7 grandes règles qui structurent toute société démocratique, indépendamment d'ailleurs de l'option idéologique, de gauche, de droite, du centre. Mais ça, tu ne peux pas dire je suis contre la liberté de conscience, je suis contre l'égalité des sexes, je suis contre le respect de la minorité, mais je suis démocrate. Alors j'ai entendu aussi les gens qui sont venus parasiter la dynamique. De 2019. On va aller aux élections et le peuple va décider. Non, la démocratie, ce n'est pas une élection. Et combien même aurais-tu gagné une élection, ça ne donne pas tous les droits. Ou alors tu es un dictateur qui attend l'opportunité. On va refaire 91 en gros. C'est ainsi dans le cas. Si quelqu'un est réellement convaincu de la perspective démocratique, il ne peut pas s'exonérer d'affirmer son adhésion claire et sans embâche aux valeurs démocratiques. Le respect de la minorité, ça existe même si tu as gagné une élection. Voilà. Voilà, je félicite la femme pour le travail qu'ils font. C'est vraiment beaucoup d'espoir. Docteur Saïd Sandi Zaghi, voilà. Donc, ma question va être directe à la vitesse TGV. J'ai failli oublier un idée avec la dernière question. Donc, étant donné que la question amazigh ne peut pas être dissociée des questions démocratiques, ne pensez-vous pas que le régime autoritaire, voire militaire, encourage l'émergence d'une certaine dose islamiste afin qu'elle bloque toute émergence d'une alternative démocratique ? Merci. Bon, est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui se rassemble avec l'Algérie de Bourdin au pire ? Et quelle alternative pourrait installer le débat et les libertés essentielles ? La deuxième question, c'est quelle est votre justification par rapport à l'échec des partis politiques de l'opposition, notamment le RCP et le RFS, le PST aussi, à faire l'opposition. Est-ce qu'il y a une opposition en Algérie aujourd'hui? La troisième question, vous pouvez répondre à pourquoi. Quelle est votre réponse à l'ordre de Mouda par rapport aux privilégiés que le pouvoir nous a offert? Merci beaucoup. Considéré comme culture sociale. Je donne des exemples. Tu peux trouver une salle de prière dans un aéroport. Est-ce que tu considères ça comme une intrusion de la politique, de la religion, de la politique ou pas, et etc. Deuxième question. Le Hirak a bouleversé la scène politique algérienne et a élevé la barre des revendications populaires en demandant un changement radical dans le mode de gouvernance.
J'aimerais bien savoir la version du docteur Saadi sur l'exercice de la politique en Algérie après Hirak et de quelle manière peut-on s'y prendre pour réussir ce changement. Troisième question. L'Algérie est prise en otage par un système mafieux qui non seulement refuse de lâcher prise, mais il s'obstine à renforcer son contrôle sur la société par une main de fer. D'où la nécessité d'ouverture de canaux de communication entre l'opposition algérienne, voire un dialogue autour d'une table, pour contrer cette répression qui s'abat sur le peuple algérien. Ma question est-ce que le docteur Saïd Saadi, en tant qu'une figure importante de l'opposition algérienne, envisage-t-il une telle démarche afin de rapprocher les points de vue et former un front commun? Merci. Donc, je me présente Farhad Saïd, journaliste. Donc, la Fédération d'Amérique du Nord, des Amazigh d'Amérique du Nord, c'est un sous-fils qui est installé à Montréal. Donc, la question de M. Saadi, donc depuis 2019, nous avons vu la résurgence de nouveaux groupuscules intégristes qui s'autoproclament Badissian ou Ambaria. L'acharnement contre la Kabylie, les arrestations arbitraires, la confiscation de la GSK et l'emprisonnement de son président légitime, M. Bouddha. Donc, est-ce que ces différents éléments, ces différents ingrédients acquis ne présagent pas un retour en force des mouvements islamistes que vous avez toujours combattu politiquement parlant? Merci. Un intervenant qui disait pourquoi est-ce que les partis de l'opposition démocratique ont échoué en Algérie. Il y a une partie qui peut être imputée à la direction de ce parti. Je suis bien placé pour vous en parler puisqu'on est dirigé là. Mais encore une fois, ça dépend de ce que l'on attend dans une conjoncture historique qui est celle que nous vivons aujourd'hui et dans une région qui est celle qui recoupe l'Afrique du Nord, et dans un pays plus particulièrement comme l'Algérie. Si pour vous, un parti politique réussit lorsqu'il a pris le pouvoir, quel qu'en soit le prix et quels qu'en soient les objectifs, effectivement, les partis d'opposition ont échoué. Si vous considérez que dans le Sud aussi, la démocratie n'est pas un luxe, comme le disent certains, et qu'il faut s'accommoder d'un régime autoritaire parce que la tradition, parce que la culture, parce qu'il y a un atavisme qui fait que les citoyens du Sud doivent être guidés, aliénés, ben effectivement, c'est une autre démarche qu'il faut faire. Moi, je pense que malgré tout, les partis politiques de l'opposition ont contribué, dans la mesure de leurs moyens, à élever le niveau du débat, même si dans le cas algérien encore aujourd'hui, il y a une nette régression. Donc il ne s'agit pas simplement de prendre le pouvoir. La difficulté dans le cas algérien, je le répète, c'est la suivante. Et il me semble important que l'on s'entende là-dessus. Si vous êtes dans un pays où la démocratie est déjà installée, le rôle d'un parti politique, c'est d'accéder à l'exécutif pour appliquer son programme. Mais la matrice démocratique est garantie. C'est-à-dire, quel que soit celui qui remporte les élections, il ne remet pas en cause les fondements qui permettront une alternance, une compétition politique loyale lorsqu'arrivera la fin du mandat. Le problème dans le cas du Sud et plus particulièrement de l'Algérie, c'est que c'est cette matrice-là qui est viciée. Vous allez aux élections, vous êtes sûr que la fraude est là. Actuellement, dans le cas algérien, les journaux sérieux ont disparu. S'il y a quand même 300 détenus politiques, même si je sais que le chef de l'État dit qu'ils sont en prison parce que c'est des voyous, parce que quelqu'un a écrit un post ironique sur le pouvoir, parce qu'il a mis une opinion qui n'arrange pas le gouvernement, comment voulez-vous exercer de manière pacifique une action politique dans un tel contexte? Donc il ne faut pas trop non plus se mettre trop loin des événements, regarder avec une longue vue et dire ils ont fait, ils ont mal fait, etc. Il faut s'immerger dans le contexte et voir qu'est-ce qu'il était possible de faire. Et je pense que les partis politiques de l'opposition ont failli sur un point, c'est qu'ils ont été incapables de s'allier
de faire un front commun. Là, je pense que le pouvoir n'aurait pas pu avancer, en tout cas n'aurait pas pu abuser aussi facilement qu'il l'a fait de la situation. Nordel et Hamouda, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'imagine que vous relancez la polémique, je vous aurai envoyé un tribunal, c'est la délinquance politique, et un jugement qui a été prononcé, alors il vous plaît ou vous plaît pas, mais il y a une condamnation qui a été faite. Voilà. Voilà la réponse. Y compris en appel. Et on a un autre, et on a un autre, puisqu'on est dans ce registre-là, parce qu'il y a toute une démarche d'agent polluant de la vie politique qui consiste toujours à vous ramener, par la diffamation, à des débats indignes, si vous ne répondez pas. Si vous avez des biens, vous êtes milliardaire, etc. Si vous répondez, vous discutez de ça, pendant ce temps-là, alors pour le coup, les biens du pays sont dilapidés, les abus d'autorité sont commis dans l'impunité, la société est en train d'être prise en otage, alors il faut trouver. Il faut dire que la délinquance politique, ce n'est pas sur la scène publique. Moi, je n'ai jamais répondu à des gens qui m'attaquent par le débat. Je dis, si tu as raison, c'est grave pour moi, donc il faut aller en justice. Si tu as tort, ça va être grave pour toi. Voilà, je viens de faire condamner un autre voyou à Marseille, en appel, et il y aura un capitaine des services spéciaux que j'attaquerai le 23. Il se présente pour m'opposer dans la République, il fait la leçon. Il passait son temps à faire des fichiers flous parce qu'il est de ma génération. Le problème, c'est qu'il se présente comme opposant. Et je réponds à votre question très directement. Le culte est mis en distance. J'ai rapporté dans le tome 1 de mes mémoires comment une chose m'a marqué. Nous étions gamins. Il y a la fameuse assemblée de village, qui est parfaite, mais qui n'est pas si parfaite que ça parce qu'il n'y a que des moustachus qui y vont. Mais, dernièrement, dans un village de Kabylie, des femmes ont été admises dans ces assemblées de village. Malheureusement, ça n'a pas été commandé. Je parle des femmes, je ne parle pas d'associations formées par des femmes. Donc, on voit qu'il y a des évolutions importantes. Alors, c'est fonction, la fonction de ces assemblées de village. On était gamins. Alors, il y a l'assemblée de village, il y a l'assemblée de quartier. Avant d'aller à l'assemblée de village, donc chaque quartier débat sur ce qu'il faut dire, pas dire, etc., avant d'arriver là-bas. Et vraiment, c'est très démocratique. Le pauvre, le riche parle de la même manière. Donc, on avait le droit d'être présent, mais on n'avait pas le droit de parler. Ça m'a marqué, cette capacité à faire parler les différentes catégories sociales de manière égale. Le temps de l'Assemblée, ça n'est fait, c'est pas évidemment les différences sociales. Mais dans la représentation délibérante, ce que vous appelez le mufti, le représentant du culte, lui ne participait pas à cette assemblée-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne participe pas. Il s'occupe des affaires du culte. S'il y a un moment funéraire, il appelle à la prière, etc. Bon, il fait son job. Mais, il n'a pas vocation à décider, ni même à interdire, ce qui est très bien. Parce que des fois, il y a des conflits, il y a des... on ne sait pas qui va donner un lot de terrain pour faire passer un chemin, pour construire... Donc, quelquefois, ce n'est pas toujours facile à régler. Mais il ne décide pas. Mieux, c'est l'assemblée délibérante qui appelle le responsable du culte qui lui convient, et elle a le droit de le révoquer s'il ne lui convient pas. On est loin de la charia, où c'est l'homme du culte qui impose à tout. C'est exactement l'inverse. Et quand on a lancé le RCD en dit laïque, beaucoup de gens ont pensé que c'est la loi de 1905 qui nous a inspirés. Je vous jure qu'on a eu pendant 3 mois des discussions sur la manière de faire évoluer cette pratique réelle, permanente, historique, toujours actuelle, qui fait que le culte est à sa place, et ça se passe très bien, et l'activité, on va dire, politique exécutive, dépend d'une autre structure. Donc il n'y a pas de... si on veut avoir une approche réellement saine... Si quelqu'un veut plier dans un rapport, il va plier dans un rapport, c'est pas ça le problème. Alors, maintenant, le Hirak, je vous ai donné mon point de vue. Moi, je pense que l'Algérie a raté une occasion historique. Je me suis exprimé à l'époque. Les élites avaient peur de la rupture alors que le citoyen, lui, voulait l'assumer. Et après, on commence à connaître un peu les gens qui apparaissaient, qui se décrétaient comme représentants
de tout ou partie de la dynamique populaire, en fait, chacun avait son gourou. Ben là, il y avait une mauvaise lecture de la situation. La rue demandait un changement radical. Ceux qui avaient décidé de parler au nom de la rue, en s'auto-proclamant représentant, en fait, chacun travaillait pour que son chef revienne. Ben, j'ai entendu quelqu'un dire après, si jamais Hamrouch était revenu, ça passerait bien. Évidemment, il y en a un autre qui disait, si c'est le fils, ça irait mieux. Il y avait une erreur de casting, les camarades. On n'était pas là pour rappeler, on est là pour dire comment sortir d'un système oppressif, négateur de liberté, prédateur, archaïque, comment en sortir. On n'était pas là pour refaire la leçon de... Et c'est ça qui a fait que le Hirak a échoué. Alors quand est-ce que ça va revenir, j'en sais rien. Mais on ne va pas se payer de mots, hein. L'histoire ne repasse pas les plats. Des mobilisations aussi généreuses, aussi massives, pacifique, aussi durable, ça ne se provoque pas tous les matins. Il faut le dire, hein, faut pas, on n'est pas là pour juger les uns les autres, mais il ne faut pas non plus se mentir. Est-ce qu'il y aurait, on est d'accord sur le pouvoir qui a pris en otage la ruine du pays, etc., etc. Est-ce que l'opposition algérienne doit se fédérer pour pouvoir ouvrir une perspective à la nation? Je vous dis oui, mais moi je suis un enfant d'avril 80, un enfant de la Souma. Je n'aime pas les malentendus. Je crois que c'est... Vous savez, j'ai pris une exergue d'Albert Camus dans le tome 3. Là. C'est lui qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Donc lorsque quelqu'un vous dit Ça commence mal. On peut faire des confidences quand il s'agit de choses personnelles, familiales. Mais quand on discute de destin d'une nation, il n'y a pas de raison qu'on occulte ou qu'on manipule des concepts ou des idées. Il faut qu'on soit d'accord sur quoi. Oui, mille fois mieux. À la représentation, à une fédération, à un regroupement de l'opposition. Mais non, mille fois non, un regroupement qui consiste à dire on va y aller, autour de quoi on n'en sait rien, comment on n'en sait rien, on verra en bout de piste. C'est avant qu'il se passe. Je ne sais pas si vous suivez l'Iran. Aujourd'hui, les gens disent on ne doit plus occulter les questions fondamentales. L'Iran sera laïque. Je parle des gens qui contestent le régime des ayatollahs. Donc, oui, mais il faut qu'on sache si réellement c'est pour... Bon, celui qui veut faire un coup d'État, il n'a pas besoin de nous pour le faire. Hein. Mais si c'est réellement pour offrir une alternative sérieuse, fraternelle, généreuse, saine, utile à la nation, il n'y a pas de raison que l'on ne pose pas les règles qui fondent un État démocratique. Une fois qu'on a réglé ça, une fois qu'on a sécurisé ça, ça peut nous prendre une phase de transition, un an et demi, deux ans. Qu'est-ce que c'est que deux ans dans l'histoire d'un peuple? C'est rien. Quand on a sécurisé l'espace démocratique, les partis qui auront tous les mêmes droits peuvent concourir. Celui qui a un programme de gauche, il n'a qu'à convaincre. Celui qui a un programme de droite, il n'a qu'à convaincre. Celui qui est libéral, il n'a qu'à convaincre. Mais on n'est pas dans la situation où on peut engager une compétition partisane. Il faut d'abord avoir le terrain de football, si vous êtes sportif, bien balisé, bien délimité, les règles, ensuite les équipes peuvent jouer. On n'a pas de terrain de foot, sérieux. On n'a pas de terrain. Si on y va, ça va être la bagarre. Donc l'opposition démocratique, oui, mais pour me dire, on va y aller, on va voter, ensuite celui qui a gagné fait ce qu'il veut, non. On a essayé ça. Et bien on ne va pas aller aux élections dans n'importe quelle condition. Une école qui a aliéné pendant trois générations la société algérienne, les mosquées qui ont été dévoyées, la télévision. C'est pas possible. Il faut mettre au clair tout ça. Mais moi, je suis disposé à rencontrer n'importe qui, dès lors, qui ne triche pas avec ces conditions démocratiques. Je sais pas si j'ai été clair. Alors, quelqu'un a posé une question. Désolé, on ne peut pas répondre en deux mois à des questions fondamentales. Sur, effectivement, les gens qui se présentaient à un moment dans le camp parti prenant du Hirak, vous voyez les malentendus et les confusions, en disant la paix des Siyens novembriens.
ils ont failli, notamment à partir de Bourg-Barrière, parce qu'ils avaient des moyens, se présenter comme les porte-voix de la révolution citoyenne. D'abord, c'est documenté maintenant, on le sait, il y a de quoi faire. Bendici, novembrier, c'est une imposture. Les bendicistes étaient contre le déclenchement de la guerre de libération. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Nous avons la déclaration de Béchir Brahimi au Caire qui a accusé ceux qui ont déclenché la déclaration du 1er novembre 1954 d'être quasiment des assassins, des sanguinaires, irresponsables. Vous savez, pardon, ce que je peux penser de Tambela, mais il a dit une vérité, il y a ses déclarations publiques. Le FLN avait décidé d'éliminer Béchir Brahimi et Bembela a dit on l'a épargné à cause de son âge. Donc Bendicir Novembria, c'est une imposture. Par rapport à la Kabylie, bon, j'ai dit ce que j'ai envie de dire tout à l'heure, bien sûr qu'il faut. Vous savez ce qui se passe en Kabylie, ça mérite d'être suivi d'abord parce que c'est une région qui a trop souffert, qu'il faut essayer de la protéger et de ses démons et des risques extérieurs, mais aussi à chaque fois que une situation vient à apporter un semblant de souffle positif en Kabylie, vous voyez tout de suite qu'il y a un écho dans le pays. Pour dire, c'est pas parce qu'on est plus malin que les autres, hein. c'est pas une question de neurones, c'est pas parce que les Kabyles sont plus intelligents, on peut discuter des raisons qui font que la Kabylie discute plus souvent des libertés qu'ailleurs, il y a des considérations sociologiques, historiques, territoriale, etc. Mais bon, ça la Kabylie mais actuellement, elle est dans le viseur. Les cafés littéraires sont en train d'être éliminés les uns les autres parce que des espaces de débat. C'est des merveilles. Moi, j'en ai animé quelques-uns. Contre la loi, les cafés littéraires sont en train d'être éliminés. La JSK, vous voyez ce qui est en train de se passer. C'est un ramassis de gredins qui sont en train d'être. Et certains relèvent de droit commun. Évidemment, on enverra l'étudiant qui met un poste en prison, mais on ne verra pas quelqu'un qui est en train d'abuser de la comptabilité de l'ISK. Parce qu'ils savent que c'est un club qui n'est pas qu'un club sportif. Il a aussi une mission à porter symboliquement une image positive. Et c'est un peu le Barça. Pour se regarder, on sait très bien ce que. Et ils s'en occupent. Mais en même temps, il faut regarder la situation quand elle est préoccupante, on ne pas se mentir, ce qu'il est arrivé maintenant, mais il faut rester toujours lucide, c'est pour ça que la colère et les raccourcis sont mauvais conseillers. Il faut rester lucide parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et qui peuvent échapper. Il y a des fois des jeunes, 14, 13, 15 ans, des adolescents, je ne sais pas si vous les voyez, c'est dans la famille. Vous les voyez avec une guitare, un arpège, ils reprennent des chansons de Mato Bdi, alors que l'école leur a appris exactement le contraire de ce qu'ils sont en train de reprendre. Vous avez une littérature en Kabylie, une littérature vraiment de qualité. Des romans, de la fiction, des nouvelles, alors que les imprimeurs et les éditeurs sont en train de subir toute forme de chantage. Vous avez quelquefois des comités de village, malgré les infiltrations de certains indicateurs qui essaient de les déstabiliser, mais qui font des choses absolument extraordinaires. Donc le pouvoir actuellement est décidé à écraser la Kabylie pour donner la leçon à toutes les régions d'Algérie, en disant si on les a écrasés, ces gens-là, c'était dur, ça veut dire que les autres, vous n'avez pas intérêt à faire les malins, c'est réglé. Mais l'homme n'est pas né pour être esclave, l'homme est né pour être libre. Il y a des réactions absolument fabuleuses qui sont en train d'émerger de là où on les attend le moins. C'est des miracles de l'histoire. Quand vous voyez ce qui passe à la télévision, ce qu'on leur apprend à l'école, ce qu'on apprend à la mosquée, et vous avez des jeunes qui sont en train de construire des parcours de vie libres, structurés. Il y a une fille que je connais, l'interview d'Ada, qui anime une émission littéraire sur Berber Télévision. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est une merveille.
je vous assure qu'il n'y en a rien à envier à toutes les émissions littéraires qui font, on prend un roman Snazir, et le discute dans une langue accessible et parfaitement cohérente. Donc vous voyez quand même, les anticorps de la liberté sont souvent plus forts que les toxines de l'arbitraire. La première question, y a-t-il un lien entre la régression démocratique en Algérie et en Tunisie? Et l'autre question, simple, qui n'est vrai que de travailler. Elle est revenue à 10 ans. Est-ce que Essagui, un bon, elle va faire un nouveau game et qu'il m'a l'a eu fait? Adonna Hbar, un l'hôte, Réli, Adonna Hbar, Réli, un l'hôte, Réli, que ce soit Réli de l'Orva, un Nardi, d'ailleurs. Est-ce que elle est revenue, Tini? Le fait d'interdire des débats, on a d'abord, ou les chefs Gizan, ou les Chila, ou les Dervan, Nassim, ça veut dire, ou l'âge l'espoir. Est-ce que elle est revenue, Tini? أديو وين سند غادي نيني نكوني سلقفايل نكوني سيتايليان اني لي نادي لي وول لونيون اي بوتيتر دوك يا يوم نج اي بوس غادي نيني لا ديموكراسي لا ليبرتي في التايره تيلي ودنا فم كان عند هذا في نوالا ولا تزايري ثقفايلي سلا ومازال ليسبوار صحه Merci les organisateurs qui nous ont permis d'avoir ce type de débat et demain pour l'invité aussi de Marc qui est là. Donc ça aussi distressé. Tabzoualout, c'est qu'il y a eu répression d'ailleurs pendant la période politique, etc. Ben, il y a eu le mouvement 80 et ensuite il y a eu un saut qualitatif que les militants démocratiques ont pu tenir, c'était le congrès Gelkour. Et en ce sens, en disant que le débat, c'est le meilleur outil pour faire avancer les choses et pour être préventif, donc pour eux, il y a eu une avancée de la question identitaire, une avancée de la question démocratique, parce que Rachir, avec 2019, ils sont sortis. Et on sait maintenant encore plus qu'avant qu'on est majoritaire, que le courant démocratique est majoritaire, parce que ceux qui sont sortis dans la réalité, comme vous le disiez les premières semaines, ils sont avec nous. Donc la question, est-ce que il est, c'est un impératif du moment de tenir un autre congrès similaire à Gakouren pour rassembler justement ces forces démocratiques et prévoir quelque chose? Aïrar, parce que un petit carrossant. Sans évolution structurelle, non communautaire, on ne pourrait pas faire des pas qualitatifs. On tourne en rond, on se chamaille pas, et c'est ça un peu le comment avoir des occasions de sortir de ces creux. La deuxième question, par rapport à peut-être à toujours le débat, est-ce qu'il est important qu'on tienne des universités d'été, des débats, le CNID, par exemple, la diaspora, on est en train de faire des associations de quartiers pratiquement, c'est pas péjoratif, mais on n'évolue pas structurellement, donc c'est plus l'avancée structurelle, est-ce que même sur le plan politique, les partis politiques qui n'ont pas su profiter. Je ne vais pas dire qu'on a eu un échec du mouvement de 2019, l'Irak, mais je vais dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une force, des forces qui ont su profiter du rapport de force. Et c'est ça qui m'intéresse à savoir. Azouf Laoun, Tamir Hilalfan, Azloul Hissain Sabir, il m'a dit à TRTV. Tamir Zgilina, on zarara, la chou, on me tient une INVRA, qu'est-ce que société, voulons-nous, et qui nous a donné. عندها الهدفات اللي هو الاسبوار اسك اللي تمر القبائل نا القمزابيين كشاويين نا غير الجزائر نا غير مازا Pardon, excusez-moi. La question de l'initiative
journaliste en prison, il est actuellement Ihsan Al-Qadi. C'est une initiative qui a été reprise par d'autres militants comme, comme Zrid Chitoussa. C'est d'avoir un candidat de consensus pour les élections prochaines en Algérie. Je suis de Baraï Feinstein. Sahib. Vous avez cité, comme référence tout le temps, le document très important, bien sûr, c'est-à-dire de l'Algérie qui ne vivra pas. Vous avez cité comme référent, si vous voulez, documentaire ou idéologique, en quelque sorte, deux documents très importants, l'Algérie libre vivra de 1949 et des résolutions du Congrès de la Soudan. Jusque-là, c'était là. Mais vous avez omis le document essentiel qui synthétise parfaitement la philosophie, les revendications et les lignes directrices du mouvement de 80 et qui est celui-ci, le dossier culturel de Yacoub. Bon, est-ce que c'est une omission volontaire ou est-ce juste par un manque de temps ou je ne sais pas. En tout cas, bon, ma deuxième question concerne, vous parlez de perspective nord-africaine, du mouvement d'Azir et tout ça. Ben, c'est excellent, ça a beaucoup à voir en 80, en Algérie, pas seulement en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, surtout. Mais je voudrais vous dire une chose, vous vous posez une question. Pensez-vous que c'est sérieux de parler d'union nord-africaine en faisant fi de l'existence des États actuels, comme c'est le cas symboliquement ici? Par exemple, on parle d'unité nord-africaine, il y a le drapeau de la nation, c'est très correct. Mais les drapeaux des nations, où est-ce qu'elles sont? Ces nations-là existent, elles ont leur histoire, et les peuples sont très attachés à ces nations-là. Est-ce qu'on peut faire fi de ces États, ou est-ce qu'il faut d'abord démocratiser ces États et entretenir les liens et les ponts vers une confédération nord-africaine sérieuse qui coïncide non seulement par de la majorité, mais de la nord-africanité de façon globale, c'est-à-dire comme en 1980, quand on parlait de la nord-africanité et de la nord-africanité. Merci. Bon, la première question est rapide. Est-ce qu'un jour viendra où on pourra m'aider à m'aider à Mara, à Nikel, 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 Hermès, qui n'est pas ici. Il n'y a pas de, conquête démocratique qui a été octroyée, que ce soit en Kabylie ou ailleurs. Hein. Donc, ce sont ce genre de débats tranquilles, différents, mais qui, dont les différences peuvent être traitées de manière civilisée, équilibrée, respectueuse, qui font émerger ensuite des priorités. إمذانا كل واحد يتسوي غير القرويس هذيك راه أكثر كما سوالين تولي برا نعم ماذا قال لها إن دوال ويركع على عرق بس زاد سيني كشنا خبيث وإنا هذا هو دي تمو بركا سي برا مرتيني ثلالي مرتيني الفهم مرتيني ثلالي مرتيني ثلالي مرتيني ثلالي دونك il ne faut pas sous-estimer la qualité pédagogique de ce genre de débat d'abord pour apprendre à s'écouter et éliminer les faux problèmes parce que souvent les gens se déclarent la guerre la crise n'est pas une اسمي قارن تاع داوين اصغر وزرين اسمي دي اسمي دي اصغر مسكا اصطا اصطا كي دار اصكا ان لوكورونس اي دونك سوفون لي جون سو باغا باسكو سون دون لا فيولونس دون لا ليموزيتي دون لانكومبريونسيون كيلك فوا مالوزمون دون لي كولتور سون ميم كيل يي ماتيير ا سباغاري دونك لانتيري دو ديبا سي كيل بيرمي دابورد donner un avis et que les gens l'entendent pour ce qu'il est, et on trouve peut-être les éléments sur lesquels les gens peuvent se mettre d'accord. Mais il faut commencer par là. La liberté ne va pas arriver, la liberté c'est la conséquence d'une lutte qui est menée, qui peut être quelquefois longue.
Mais on a réussi quand même à avancer. Par exemple, le pluralisme politique. Vous étiez présenté comme un traître à la nation. Vous lisez la charte de 1976, le parti unique était décrété irréversible, c'est-à-dire inévitable. Donc il ne faut pas sous-estimer les problèmes, mais il ne faut pas non plus ignorer les acquis quand ils existent, ne serait-ce que parce qu'il faut bien, il faut bien les défendre. Donc je pense qu'il ne faut pas inverser les priorités. La liberté, c'est un acquis qui arrive après un cheminement. Il faut pas en vouloir aux gens qui ont peur. D'abord, la peur, c'est un sentiment qui ne se maîtrise pas. Il y a quelqu'un qui, à force de combat, de lutte, a fini par surmonter ses peurs, mais il y en a qui ont peur. Il ne faut pas juger les gens qui ont peur, il faut essayer de les aider à la surmonter. Mais la peur, c'est réel, et puis c'est normal. Quand vous voyez là-bas, on l'a dit tout à l'heure, on va le redire ici, quand vous savez que vous risquez d'aller en prison, si vous mettez un petit poste sur votre micro-ordinateur, ben vous réfléchissez à deux fois avant de faire quelque chose. Mais la peur fait partie d'un climat qui empêche la liberté d'expression. Donc, il faut d'abord créer les circonstances, un rapport de force, un contexte, un environnement, un écosystème politique, transformer tout ça, ensuite la liberté d'expression. L'homme encore une fois, est fait pour parler librement, il n'est pas fait pour être mutilé. Mais, qu'il me soit le faire. Le congrès diabolique, ce n'était pas tout à fait un congrès, l'élément a le sens. Hein. Le congrès, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été délégués de différentes parties d'un territoire donné pour représenter les populations et parler en leur nom. C'est un séminaire. Il y a commencé à l'Assemblée pour essayer de dire un peu de quoi était porteur cette dynamique qui a surpris tout le monde d'avril 80, que je ne limite pas encore une fois à Tizi Mouzouri pour pas que les choses soient claires. Et dès là, on a essayé d'apporter un peu de clarté, un peu, pas beaucoup, parce qu'on était pris par le temps, mais on a apporté quand même la possibilité qu'il y avait une réelle culture politique qui permettait aux Algériens, on n'était pas d'accord, on n'était pas tous, contrairement à ce que les gens pensent, on n'était pas du tout de la même sensibilité politique. Hein. Il y avait tout, hein. J'étais là-bas, il y avait du PAX, alors le PAX c'est l'ancien parti communiste algérien. Hein. Donc, il y avait du PAX, il y avait des anciens du PRS, il y avait des anciens du FFS, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout structurés, il y avait des syndicalistes qui étaient organisés dans les instances syndicales mais qui n'avaient aucune appartenance partisane. Et je pense que c'est ça la qualité d'un 1980. On a réussi à dégager quelque chose qui constitue le corpus, ce qu'on appelle la République, le MCB, et on a oublié les adhésions partisanes qui étaient respectables. Il y avait dans son parti, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Mais lorsqu'il fallait engager une dynamique populaire, on a réussi à dégager ce qui pouvait être un corpus, un consensus qui était fédérateur. Et ça, c'est une pédagogie qu'on a perdue. Et ça, c'est une pratique qu'il va falloir réinventer, retrouver, valoriser. Voilà. Mais l'État commun d'Agoura n'est pas un document de congrès. Alors, est-ce que... Il y a une question qui a été posé de savoir si le moment n'est pas venu d'essayer de refaire quelque chose, non pas similaire, l'histoire n'est jamais reproductible in extenso, mais d'envisager une initiative où les gens se retrouveraient pour dégager quelque chose sur lequel la population globalement se retrouverait. Ça, c'est un objectif, encore une fois. Je réponds un peu à question qui a été posée précédemment. Moi, je pense qu'il faut d'abord, notamment en Kabylie, apaiser la situation, éliminer les anathèmes,
retrouver la sérénité de l'échange, reprendre, réapprendre aux gens à convaincre par l'argumentation et pas par la menace, pas par l'insulte, etc. Parce que la Kabylie, elle est aussi atteinte. La violence de l'environnement national a fini par contaminer aussi la région. Donc il faut d'abord apaiser le débat. Par la suite, lorsque la parole... C'est pas en criant fort qu'on a raison, je veux dire, ça n'a pas de valeur. Souvent d'ailleurs c'est l'inverse. Celui qui crie beaucoup, ça veut dire qu'il n'a pas la confiance de la qualité de son argumentation. Donc il faut d'abord apaiser le débat, apprendre à se respecter, apprendre à se tolérer malgré nos différences, voir ensuite, dans une étape, j'espère pas très lointaine, ça peut aller vite, hein, si on continue à reproduire ce genre d'initiative, voir ensuite comment est-ce que tous les gens qui disent, qui assurent, qui déclarent adhérer à ces principes démocratiques peuvent se retrouver pour, un, s'organiser, deux, mettre en difficulté le régime. Mais ça vient, encore une fois, ça vient après une restauration de la citoyenneté. Moi, je voudrais vous convaincre d'une chose. En 1980, je ne serais peut-être pas en train de vous parler ici, aujourd'hui, si le travail qui avait été fait 10-15 ans auparavant n'avait pas sensibilisé les citoyens. Et il y a semaine, en 1980, si les citoyens étaient dans un état d'aliénation politique ou de terreur politique, elles se maintiennent. On a brûlé le drapeau, on a brûlé le Coran, c'est la télévision d'État qui disait ça. Eh bien, le fait qu'on ait fait un travail d'animation culturelle, lent, qui n'est pas toujours visible, qui est discret, qui est épuisant, et bien au moment où le FLN a sorti son armada médiatique, pratiquement aucun citoyen ne les a suivis. Au contraire, ils sont sortis où la diaspora est source. C'est-à-dire c'est elle qui inspire, c'est elle qui amorce. C'est ce qui s'est passé en 1926, lorsque, après le 19e siècle, les révoltes n'y ont été écrasées dans le sang. Abdelkader, Mokarani, les Achats, les Oulets, les Chirs, ou des Kémoïla, Kéodonis, le mouvement qui a eu le souffle pour faire l'offre d'indépendance, c'est dans la diaspora. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans la diaspora que peut se concevoir une proposition alternative. Parce que c'est là qu'il y a possibilité de... Vous ne pouvez pas faire une réunion de Fengenizé, c'est impossible. C'est là aussi, c'est là de la diaspora, il y a beaucoup de cadres, parce que ceux qui fuient aussi, ceux qui partent, je ne les juge pas, moi je comprends très bien que les gens partent, hein, sont dans la diaspora. Donc la ressource humaine capable de donner crédit et consistance à un mécontentement latent, à une colère, elle est dans la diaspora. Donc aujourd'hui, la diaspora, la conjoncture actuelle se prête, la séquence historique actuelle se prête à une fonction inspirante de la diaspora pour une mise en perspective, de la nation. Alors, autre question, est-ce que l'espoir est en Kabylie? Il est en Mzab, il est en Ancha, il est en Tamazra. Moi, je crois que l'espoir doit être partout. Je ne vois pas pourquoi est-ce que se battre en Kabylie, ça empêcherait les autres d'avoir un regard pour élargir l'horizon. Moi, je ne crois pas un oasis de bonheur dans un océan de misère. Ça passe pas comme ça. La géopolitique, ça existe. Maintenant, si on convainc qu'il est d'eau, il ne faut pas me demander à Droha parce qu'elle fait, non, parce qu'une Jahidi, une Zankara, et puis. Quand on a la responsabilité d'une offre politique, on est condamné à être lucide, à être convaincant. Voilà, pourquoi est-ce que l'évolution positive en Kabylie ne devrait pas se faire comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle serait antinomique en dehors de Mazra? Moi, je suis persuadé, et j'en profite pour répondre à la question suivante, que l'idée de la matrice nord-africaine appuyée à son substrat amazigh. Et encore une fois, quand je dis substrat amazigh, je ne parle pas de gènes, je ne parle pas de génétique, je ne parle pas de langue uniquement, je parle d'histoire, je parle de vécu. Je parle d'accumulation d'expériences qui ont sédimenté à travers les étapes. Cette région-là, miraculeusement, a survécu à 8 grandes invasions. C'est un cas unique dans l'histoire.
C'est un cas unique dans l'histoire. Où les chambres de Dounis, ils gouvernent, c'est vrai qu'ils ont mais elles se déroulent. Vraiment, ça n'existe pas. C'est 8 grandes invasions qui sont passées sur l'Afrique du Nord et l'esprit de Jugurtha est là, y compris la langue, y compris la gestion de l'environnement, y compris quelquefois des relations conflictuelles avec notre tempérament à la Lukuni, quoi. Mais on est là. C'est un miracle dans une population qui n'a pas eu d'État centralisé. Vous prenez les Incas. Quand vous regardez leur civilisation, vous voyez leurs ruines. Vous imaginez ce qu'il fallait comme génie civil, comme architecture, comme savoir-faire. Je veux dire, Pémenis. Il a fallu Cortés avec 500 combattants, ils font partie du musée de l'histoire. Et bien, je vais faire un peu le savon. Les Étrusques, c'est une immense civilisation. Un accélère romain qui a invité tout à l'égout. Ils ont pris. Ce qu'ont fait les Étrusques. Je ne crois pas à la disparition du fait amazigh aujourd'hui, encore une fois, non pas en tant que fait biologique ou génétique, mais en tant que présence dans l'histoire des hommes qui a vocation à faire aujourd'hui une offre qui soit audible dans le monde d'aujourd'hui. Ça ne va pas se faire facilement, mais vous voulez changer de. Alors on me dit, oui, mais il y a des nations qui existent au jour d'aujourd'hui. Je ne les nie pas, elles existent. Bien sûr, elles existent. D'ailleurs, une des erreurs du régime algérien, c'est de dire que les Marocains vivent sous une monarchie, qu'il y aura de la monarchie, etc. Ils se trompent, et alors, jusqu'au bout du bout, moi je vais régulièrement au Maroc. Les Marocains peuvent critiquer le palais royal, mais la monarchie, en tout cas pour l'instant au Maroc, Elle est largement acceptée par une écrasante majorité des populations marocaines. Il faut en prendre acte. Pour des raisons historiques, l'Algérie, qui a été une colonisation de peuplement, a un système républicain. Il faut en prendre acte. Mais ça n'empêche pas que les réalités de ces États doivent se mettre en phase avec la réalité sociologique du pays. Je ne crois pas au jour d'aujourd'hui que les régimes, qu'ils soient d'ailleurs tunisiens, marocains ou algériens, soit en mesure d'accepter d'être des représentations citoyennes qui soient légitimées par la citoyenneté. Parce qu'ils sont tous en déficit de légitimité. Donc ils ont tous besoin de serrer un peu plus ou moins, selon les conjonctures, selon les pays, les vis de la liberté citoyenne. Et donc c'est à travers des initiatives comme celle-là qui appellent à des passerelles avec des citoyens des autres communautés qu'on peut amener les États, qu'il ne s'agit pas de déstabiliser, à s'amender et à se mettre en conformité avec leur réalité nationale. Il ne s'agit pas de tout balancer, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que la donne amazigh ne servirait pas, que ce soit d'un régime monarchique, que ce soit d'un régime républicain. Encore une fois, la donne amazigh, encore une fois, en tant que relation au monde, en tant que vécu, en tant qu'expérience historique, ne soit pas partagée dans l'ensemble de la région. Elle l'est de fait. Nous avons fait un dossier dernièrement sur le journal qui est en train. Je vous assure que lorsque j'entendais des Marocains ou des Libyens ou des Tunisiens parler, il y a une réelle disponibilité à accompagner cet appel de l'histoire. Ça va prendre du temps. Mais quand on construit l'histoire, on ne compte pas en minutes. Et surtout, on ne construit pas avec la colère. Donc voilà. Je crois qu'on a répondu. Ah, le Qadir Hassan. Quelqu'un, effectivement, a dit c'est une question récurrente qui est posée, ça fait 3 ou 4 fois qu'elle est posée de manière différente. Ça veut dire qu'elle préoccupe. Quelqu'un aurait dit il faut que l'opposition se mette derrière le candidat. On prend encore l'affaire à l'envers. Si on a un candidat et qu'on s'est permis d'accord sur ce qu'il va faire, mais l'Arsar, c'est difficile à faire entrer dans les. Un candidat, il est là pour porter un destin, un objectif, avec des priorités. Et il se dit, il va nous mener. Où ?
L'homme est faillible. L'homme... Il faut faire l'inverse. Débattre encore une fois. Voir réellement quelles sont les catégories sociales qui adhèrent à une société de citoyens. Et pas une société ni de croyants, ni de sujets, ni d'asservis. Mille fratigues, c'est-à-dire quand on a réellement clarifié l'horizon dans lequel on doit installer nos enfants, les générations à venir, parce qu'on a cette responsabilité. Il ne faut pas qu'on fasse ce qui s'est fait jusqu'à présent. On se dit, oui, on va aller à l'arrière. Parce qu'on se fait, parce qu'on se fait. Non, on doit d'abord débattre. Et souvent, vous allez m'entendre, vous allez m'entendre le ressortir autant de fois qu'il faudra. Une fois que le débat s'est installé, une fois que les catégories sociales, quel que soit d'ailleurs le pays ou la région, se seront prononcées sur leur véritable aspiration à construire une cité démocratique, évidemment, il faudra se mettre d'accord sur une, qu'elle soit incarnée, que cette alternative soit incarnée. Mais on ne fait pas l'inverse. On va désigner un candidat sans qu'on sache qu'est-ce qu'il va faire. C'est dangereux. Non seulement c'est pas sûr, mais c'est très dangereux. Je crois qu'on a épuisé. Monsieur Ila, Salah Raach. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir après. C'est gentil. Je pense que vous avez répondu à presque à 80% de la réponse que je voulais poser, mais il reste 20% que je voulais éclaircir par rapport à. Ne l'approchez pas trop de la personne, sinon il m'a. Vous m'entendez bien ? Voilà, très bien. Donc, je disais que vous avez répondu presque à 80% de la question que je voulais vous poser. Il reste à peu près 20%, parce qu'on parle des citoyens, on parle de la population kabyle. Il faut qu'on arrive à rétablir le dialogue politique culturel. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les divergences entre nos élites, entre vous, d'autres combats, d'autres frères de combat qui étaient avec vous avant, et chacun quelque part, soit dans le combat politique, qui ont créé d'autres partis, qui est le MCB, à un certain moment il y avait MCB 1, MCB 2, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de réunir tout ce monde-là pour que la population puisse suivre? Parce que si on voit nos élites, comment voulez-vous que le peuple, ou le Dénatre, déjà, vite-nous, au niveau de la Kabylie, on n'arrive pas à suivre, comment voulez-vous ma fédération, du Nord, de l'Afrique du Nord, appelez-vous comme ça ne marche pas. Donc, c'est juste ma question, merci beaucoup. Tardi à répondre déjà à vous. C'était par rapport à. Je vous ai posé la même question il y a 3 ans, je pense, quand vous êtes venu à Montréal. Nerf disque, vous êtes malgré tout optimiste. Un homme politique se doit d'être optimiste. Oblige à être optimiste. Ça va, non, je vais t'en faire. Elle a trait à la nature du régime militaire algérien. Regarde, ça va être un peu plus. Et il y aura des masses, par exemple, un petit général, après le général, c'est ce qui est normal, un an. Ville-Soudan, voilà, je suis un an. Partout en Afrique, là, malheureusement, tu toujours. Et on est obligé de faire. Et sur quoi tu fais le mais il ne fait pas rien. C'est le secret. Pourquoi ils se sont obligés de se cacher? Nous aura, tu es mieux, il faut pas. C'est vraiment ça. C'est pas. Docteur, parmi les j'ai deux petites questions, mais avant d'aller sur une des deux questions, je voudrais saluer la présence de notre ami, notre frère, Yves Arabeau. C'était le premier intervenant. Il est ici au Canada depuis 45 ans. Il est d'origine sénégalaise et aussi algérienne. Il est de mère algérienne, tlemcénienne. Yves Arabeau, c'est un ami depuis longtemps qui tient à son amazérité. Et sa présence ici, je pense qu'il est très symbolique. C'est pour dire que...
c'est pour dire que la source d'avril 80 et du socle amazir, elle est intarissable et son écho, son aura, sa résonance ne sont pas prêts de s'essouffler et de s'estomper. Ma première question, c'est par rapport à un des procès que dont vous avez évoqué sa tenue. Vous avez parlé de la date du 23 octobre. Je pense que vous ne parlez pas du sieur Laïb qui a été déjà condamné, même en appel, mais je pense que vous parlez de celui que vous avez d'habitude, de coutume d'appeler, le capitaine Abou. Vous avez parlé du 23. Est-ce qu'il s'agit du 23 mai, juin ou de quel mois? Ma deuxième question, et je finirai là-dessus, je reviens au sujet principal, c'est avril 80, c'est prolongement, la question en Asie. Je revois l'année dernière, la FAN a eu un invité de marque, c'est un historien. Il a fondé sa thèse, et apparemment c'est un spécialiste, il est spécialiste de la crise de 49. En appuyant son argumentaire, il est allé, il a convoqué le document qu'on appelle Idée Ouattani ou bien l'Algérie démocratique vivra. C'était ahurissant, j'étais consterné. Il a aspiré, il a siphonné, il a dévitalisé tous les documents de sa substance, de sa quintessence, qui est principalement la question amazigh. Lui, il a dit non, c'est une question de démocratie. Moi, ma question, c'est quoi les motivations? Qu'est-ce qui anime ce genre d'intellectuel qui était par ailleurs très très sympathique? Je n'ai rien de personnel contre lui. Mais qu'est-ce qui anime ce genre d'intellectuel à évacuer la question amazigh? Bon, parce que j'ai bien peur que demain, même avril 80, on dirait que c'était pas. Il n'avait pas de source de problématique identitaire. Merci. Alors, la jeunesse, même, ce n'est pas seulement la jeunesse, il y a un phénomène vraiment d'Erwin. Je trouve que c'est un danger pour notre civilisation, même si nous sommes des chrétiens et tout ça, mais ils auront là avec nous. Je suis allé par rapport à ça. Il y a des initiatives des jeunes, des jeunes, à leur manière, tout là, c'est des petites initiatives, mais qui par contre, j'ai remarqué aussi, j'ai des liens avec beaucoup de monde qui disait Zaire, mais en tout cas, à chaque fois, c'est toujours le lien, les discours sont stars, c'est que même les messages, les Facebook, tout ça, il y a beaucoup de. Je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que ce n'est pas un danger? Alors, je t'ai dit. Deux, trois questions à poser. Direct. Est-ce qu'on peut considérer que votre appel, c'est un appel de Zarathustra, la mort de l'Algérie sur le plan démocratique, social, économique? Et ok, j'ai une autre question aussi. Est-ce que le problème de l'Algérie d'après-guerre est le même que l'Algérie d'aujourd'hui? Si oui, est-ce que la nouvelle génération est prête à mener le combat comme la génération d'après-guerre? Ok. Et notre question là, est-ce que l'Algérie, durant son existence, avait déjà connu une période démocratique? Ou bien. Voilà, c'est ça. Zulfi Lawan, Zulala Docteur. Puisqu'on parle d'identité, donc la question est la suivante. Vous, nombreuses étaient vos interventions médiatiques où vous avez parlé de préalable. C'est préalable, c'est quelque chose d'important pour l'instauration d'un socle démocratique, tel que vous l'avez qualifié. À l'état où nous en sommes, car voyez-vous vraiment que c'est utile ou important d'intégrer la sauvegarde de l'identité, la langue et sa promotion dans la liste des préalables démocratiques, qui est vue comme, comme la seule opération devant l'aspiration citoyenne à la démocratie. Merci. Bonjour, docteur Zani. Bonjour, docteur Zani. Dans la continuité de la même question, justement, j'aurais une petite question. Est-ce que c'est bon comme ça?
Je peux porter ma voix. C'est bon. Allô. C'est bon. Ok. Donc, je voulais parler de la question des préalables démocratiques, justement. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous étiez prêt à même débattre avec des islamistes. On a connu cette question qui revient et qui, à mon avis, va revenir et revenir encore une fois. Une personne qui a vécu l'Algérie des années 90, je suis du logement, qui l'a vécu à l'intérieur. Est-ce que vous connaissez, vous pouvez nous dire comme ça, des noms, des gens, des islamistes, qui vous ont dit, oui, on accepte telle condition. Parce que nous, par exemple, moi, j'ai abandonné les partis politiques, je suis allé sur Internet. Et les débats, ils s'installent sur Internet. Donc on est en train de les affronter. Les Dina et consorts, quand ils vous attaquent, vous, ils s'attaquent à nous. Quand ils visent Zadi, c'est parce qu'ils veulent des pantins qui représentent les laïcs. S'ils veulent qu'on ait préalable, qu'on accepte qu'un islamiste prenne le pouvoir, moi je suis pas contre qu'Ali Belhadj soit le président, mais qu'ils mettent la photo de Saïd Zadi comme Erdogan en Turquie, en arrière-plan. Qu'ils mettent la photo de Saïd Zadi sur le billet d'argent qu'ils mettent dans la Turquie. Donc, s'ils acceptent les préalables-là, que l'Algérie devienne laïque, donc à ce moment-là, on accepte les islamistes. Je ne vois pas là pourquoi qu'on répète toujours la même phrase, on est capable de discuter avec les islamistes. De quoi, eux, ils sont capables de discuter avec nous? Merci. On ne peut pas épuiser tous les... L'idée, c'est que la dynamique se perpétue, sinon on ne peut pas... Alors, est-ce qu'il faut... Il y a encore une question qui est récurrente, mais je ne sais pas comment on va finir par clarifier cette donnée-là. Est-ce qu'on doit se rassembler pour que la population nous suive? Quand vous suivez quelqu'un, suivre, c'est que vous savez où il veut aller. Suivre, c'est de marcher. Mais vous ne décidez pas de vous lever un matin, de vous aligner, de vous mettre derrière quelqu'un sans savoir quelle est sa trajectoire, quelles sont ses intentions. Non, je reviens encore. Il faut pas se précipiter en politique. Alors je vais vous dire, maintenant je vais faire un peu le savant. Je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Je ne dis pas que tout le monde doit l'appliquer, mais en tout cas, moi, j'ai relevé ça. Il y a deux défauts qu'il ne faut pas avoir en politique. Tout le reste peut se gérer. Un, c'est la haine. Quand vous êtes haineux, vous perdez votre lucidité, vous perdez votre capacité de jugement, et vous en venez à prendre des décisions qui sont dévastatrices, y compris contre vous-même. Le deuxième défaut qu'il ne faut pas avoir, c'est l'impatience. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Lorsque vous avez analysé une situation, les forces en présence, les attentes de la population, la disponibilité à l'écoute, la capacité de mobilisation, ce n'est qu'après toutes ces évaluations, encore une fois, qui ne sont pas brillantes, qui ne vous permettent pas de vous mettre devant une caméra pour faire le rombo. C'est un travail que vous ne pouvez pas éliminer. Lorsque vous avez réinstauré le débat, lorsque les gens vous ont entendu, lorsque vous avez ce genre de situation, vous dites Jazer Jadida, etc. Jazer Jadida, je vais vous dire où est-ce qu'elle est. Elle est devant le consulat d'Espagne. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une honte. Le Canada aussi. Le Canada essentiellement. Si le pays que vous proposez était aussi attractif que ça, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens se jettent à la mer. Donc il ne faut pas qu'on soit complexé par l'idée de revendiquer ce qui fait partie de notre histoire. Je vais vous raconter une petite histoire, même, puisqu'on est dans les anecdotes. Des fois, la réalité est plus parlante que les abstractions et les théories. Il pense que c'est Rako Boudiev. Ça m'a tellement marqué, je l'ai retrouvé. Les notes, vous allez je l'ai marqué, je l'ai rapporté dans le temps de travail. Ce midi, c'est le temps de travail. Il y a un temps de travail.
les situations économiques, l'école, la femme, la géopolitique. Et puis à un moment donné, là, il faut qu'on aborde des sujets qui fâchent. Il est qu'est-ce qui fâche? En politique, il y a rien qui fâche, on discute, il y a un compromis, etc. C'est toujours le cas. Et là, maintenant, là, notre génération, elle a construit le pays sur la béquille de l'arabisme et de l'islamisme. Entre-temps, il y a une autre génération qui est arrivée, s'est formée, elle a appris, elle s'est battue, elle a payé le prix. Il y a une autre donnée qui s'est invitée au débat de la construction de l'idée nationale, c'est la majorité. Je suis dénoncé. Il est dit, qu'est-ce que tu fais de la française, je vous jure. Depuis quand tu avais une chaise stable sur trois pieds. Donc les gens qui n'ont pas de mauvaise conscience par rapport à leur pays, comme vous dites, parce que le 1er novembre, c'est lui qui l'a fait. Il n'a pas de complexe vis-à-vis des Français. Il n'est que ce bonhomme-là, il pense que l'indépendance, c'est de casser tout ce que la France a laissé. Non. Il y a de bonnes choses qu'il faut préserver. Et puis, de quel droit tu vas me dire que le français, l'ayadjouz, t'arrive cette semaine. Alors on m'explique que l'arabe, le français est arrivé avec la violence, le sabre et le goupillon. L'arabe se laisse le billet de bon sang. Vous connaissez. Ça suffit, quoi, je veux dire. Et puis à quel niveau on va mettre le curseur de ce qui est légitime ou pas légitime? On doit assumer notre histoire. Tout ce qui a sédimenté en nous, nous devons l'assumer. À partir de quel moment est-ce qu'une culture ou une langue est légitime? C'est un secret de mille. C'est les Turcs à 4 siècles, c'est les Arabes à 14 siècles, c'est les Romains, c'est les Français. On ne va pas se mutiler au motif que toutes les arrivées conquérantes du siècle dernier ont été faites dans la violence. Mais on ne va pas cultiver le rôle éternel du colonisé pour pouvoir dire c'est parce qu'on est, on est victime. Ça fait 62 ans. Qu'on est indépendant. Si ça va mal, c'est un peu de notre faute aussi. Trois générations qui sont passées depuis. En plus, ça va de plus en plus mal. Donc, il y a quelques raisons quand même qu'on ait aggravé le score au lieu d'un colis. Est-ce que l'Algérie a vécu un moment de démocratie? Il n'y a pas de moment idéal de démocratie. Il y a des moments où il y a plus de liberté et moins de liberté. Il y a un moment, après octobre 1988, malgré la manœuvre de Mouloud Hamarouche qui a essayé de polluer le pluralisme politique en donnant 250 millions à 11, vous êtes 15, vous voulez former un parti politique, vous avez 250 millions. À l'époque, c'était de l'argent. On s'est retrouvé avec, si j'ai bonne mémoire, 74 partis. Alors évidemment, alors qu'il y avait 4-5 courants politiques à l'époque, il a réellement pollué la scène médiatique. Malgré ça, il y a eu un moment où la presse était plus libre que maintenant, les partis étaient relativement plus autonomes, en tout cas dans leur activité qu'ils sont aujourd'hui, les citoyens avec une liberté de parole qui n'était pas le tunnel dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors on peut penser de tout ce qu'on veut de Bouteflika. Et moi j'ai combien de papiers sur ma page Facebook, ce n'est pas la réponse de quelqu'un, les gens ont rien. J'ai posé la question sur ma page Facebook, va-t-on regretter Bouteflika? Je crois que c'est comme ça. On m'a tué. Ben, c'est un malheur. Ben, c'est vrai, après, qu'ils disent, Bouteflika n'a pas mis de gens en prison. Apparemment, je vais être Chibou, qui est un grand emblématique. Je ne suis pas là pour défendre le bilan de Bouteflika. Mais je veux dire, il y a des moments pires que d'autres. Il y a des moments où l'Algérie a pu respirer. Mais, si vous dites, est-ce qu'il y a eu un moment où le pouvoir politique en place depuis 1962 a fait le choix de la démocratie? La réponse est très clairement non. À chaque fois qu'un souffle démocratique s'est invité dans la société algérienne, la démocratie est toujours arrivée par effraction. C'est-à-dire, tsemara. Ils ont subi la démocratie plus qu'ils l'ont voulu. Alors ils la subissent le temps pendant que le rapport de force est en leur défaveur. Et puis ils attendent, je vous la montre, et si on n'est pas bien organisé, ce qui a souvent été le cas, ils le reprennent. Actuellement, c'est un moment des ténèbres démocratiques. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'ils vont durer longtemps. Je connais très bien les gens qui pensent avoir trouvé l'alchimie politique pour soumettre le pays. Le mot de Nelson Bundy, les Odate Blasa, etc., Shabada, c'est tout ce qu'il faut. D'abord, c'est un Nelson Bundy. Je ne le prends pas comme exemple. Hein. Mais il réussissait quand même à organiser les choses autour de lui. Il dit oui. Ensuite, l'Algérie des années 70 n'est plus celle d'aujourd'hui. Le
point de vue démographique, du point de vue politique. Ensuite, le monde a évolué. Donc, vouloir restaurer l'ère de Boumdine, c'est une chimère. Le problème, c'est que ça risque de très mal se passer. Et en ce sens, on est obligé d'être responsable pour eux et pour nous. Parce que c'est notre pays. Parce que, qui sait bien, on n'a pas de pays de rechange. Parce que, il faut savoir quel pouvoir qui a peur. Ils ont peur actuellement. C'est un pouvoir qui peut faire beaucoup de dégâts. Figoudine, ou Tsewara Lakan. C'est-à-dire. La panique est toujours génératrice d'excès et de maladresse, et quelquefois qui peuvent être dévastatrices. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être responsable plus qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ferme sur nos positions et sur nos valeurs. Est-ce qu'il faut mettre l'idée de la prise en charge de la langue berbère parmi les préalables démocratiques? La réponse est très clairement oui. Pourquoi? Encore une fois, ce n'est pas parce que je suis kabyle que je le dis, je vous jure, même si je ne l'étais pas, que je l'aurais dit. Parce que si on commence à dire, moi je ne suis pas locuteur de cette langue, on parle de principes. On ne parle pas de choses quantifiables. Hein? On est dans la qualité, l'approche qualitative des choses. Si on commence par dire, pourquoi je vais me prononcer? Pourquoi voulez-vous que je m'engage sur une problématique que ne m'ont pas laissé mes parents et que je ne pratique pas? Et si vous commencez comme ça, c'est mal barré. Parce qu'il y en a un qui va vous dire, moi je suis un homme, la femme, ça ne m'intéresse pas. Après tout, le noir, on s'en fout un peu, c'est une minorité, passons-les à la trappe. Non, c'est des questions de principe qui font qu'un citoyen résidant dans la nation doit, par principe et de manière définitive et inviolable, être protégé dans ce qu'il porte. C'est vrai que c'est vrai que le reste. Sinon on triche. Bien sûr que l'arabe algérien doit être promu. Le problème, c'est qu'ils sont en train de le tuer. Et moi, je me bats aussi pour que les arabophones puissent valoriser et protéger leur langue. Alors, dernière question qui est peut-être la plus épineuse, mais en même temps la plus importante, c'est cette histoire de discuter avec les islamistes. Alors, ils vous mettent en position de sectaire, c'est-à-dire c'est vous qui refusez. Étant entendu que nous sommes nés, il y a un DLP, un Brunson. Voilà. Eux, ils sont gentils, nous, on refuse de discuter. C'est une manière un peu pernicieuse d'aborder le problème. Moi, j'ai eu un échange avec Dine. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Alors, je lui ai dit directement, tu as un niveau universitaire qui te permet d'appréhender les concepts qui peuvent échapper à un islamiste qui a été entraîné dans un quartier parce qu'un policier l'a agressé, parce qu'il a été victime d'un abus. Donc, tu peux prendre un peu de distance pour voir l'évolution géopolitique de cette problématique, pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Et j'ai fait la concession pour ce qui était des abus qui ont été commis. On n'en parle pas, on laisse ça à une commission ultérieure, à l'histoire, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Sauf que ce n'est pas ce que j'ai eu comme réponse. Il y a une, je ne sais pas si vous suivez leur parce qu'ils ont les moyens, hein. Londres, machin, Wilmington. Alors il y a une stratégie, c'est même pas, c'est du négationnisme, c'est pas du révisionnisme. Moi je sais bien que les services spéciaux algériens ont infiltré des groupes islamistes, ils ont éliminé de manière illégale tel ou tel, bon, les crimes de masse à passer. Pas me dire que le fils n'a jamais rien tué. Le fils n'a pas tué. Le GIA, il n'a rien à voir avec le fils. C'est une entreprise de négationnisme. Alors, c'est les services spéciaux algériens qui montent des opérations pour aller tuer leurs militaires dans les maquis. Allez, il faut la trouver, Zaghi. Ils vont faire du tir au pigeon pour, je ne sais pas, ils vont tuer leurs militaires. L'armée va tuer ce soldat. Pas rigoler, quoi. Il y a des limites, un peu de retenue. Si vous voulez vraiment qu'on sorte de ce drame, sans régler des comptes,
Mais on n'est pas là pour maquiller l'histoire, pour la farder, parce que c'est le meilleur moyen de retomber dans le bis repetita. Alors, m'a répondu Général Toufiq al-Hassoun manipule Saïd Saadi. Oui, il n'y a pas un bonhomme qui a attaqué Qassem Toufiq al-Hassoun. J'ai fait le dernier discours qui est sur la page Facebook de mon discours testament. Quand j'ai quitté la direction du parti, je voulais d'abord faire un acte pédagogique dans le Congrès, qu'un responsable politique parte de son propre chef, après avoir rendu son bilan moral, financier, politique, dans un acte, comme ça se fait dans les pays dignes de ce pays. Donc, le discours fait, si j'ai bonne mémoire, 53 minutes. J'ai réservé à la police politique 42 minutes en disant aux congressistes le seul message que j'ai à vous faire, n'oubliez jamais que nos ennemis historiques, ce sont eux. Alors, au moment où eux, et je le savais, en pleine révolution, contre la rue Grouillet, ils étaient en contact avec Gaïtsala, je le savais. Moi, j'étais en Algérie, j'ai fait une lettre ouverte, vous allez trouver dans un des livres d'Aguirre, à Gaël Sarah en lui disant « rentre dans les casernes, pendant qu'il en est encore temps ». Nous, j'étais en train de bricoler à Gaël Sarah, de qu'il est rabaisse le nerf. Qu'il dit, c'est des marchands de tapis, vous ne pouvez pas discuter avec ces gens-là. Ils sont dans la ruse permanente. Alors, quand j'ai dit, je sais que vous étiez en contact avec Gaël Sarah, je lui ai dit face caméra, il m'a répondu, jamais nous n'avons, vous pouvez voir ça sur la toile, jamais nous n'avons était en contact, ni par écrit, ni verbalement, ni directement, ni indirectement avec Edson. Quand c'est dit de manière aussi franche, il y a un de nous deux qui ment. Ou c'est lui ou c'est moi. Donc, un jour, quelques semaines plus tard, ils arrêtent le patron de leur renseignement intérieur, qui est actuellement en prison, qui travaillait pour Rachat, et on apprend que le secrétaire particulier de Gaël Sarah était un agent de Rachat. Donc, il a fui, je ne sais pas si vous avez suivi, en Turquie, il a rapatrié, etc. Qu'est-ce qui fait le son attaché de... Est-ce que vous avez longtemps? Est-ce que c'est lui? Alors, c'est quand même son attaché... C'est aussi son attaché... officier de la formation, chargé. Donc, il parle, il est langage. Il répond face caméra, « Haqiqatun » كنا عندنا اتصال مع قيادات الاركان وهذا شيء طبيعي من حركه سياسيه ومؤسسات عدو يا كاين بنت يماك وبارامون في اجور كومون فولي فو ديسبوتي ما سي لا سا بوز بروبليم سا دير اون ne peut pas accepter d'être dupe on peut pas accepter d'être dupe pareil que tu étais islamiste dans une autre ville hasol et que tu me dises j'estime qu'effectivement il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin si je puis dire pour arriver à un compromis, étant entendu que le minimum du minimum requis, c'est les valeurs démocratiques. On ne parle pas qui a tué, qui n'a pas tué, etc. D'accord, très bien. Mais ne viens pas me dire on va se mettre d'accord, alors tu commences par un mensonge éhonté. La ruse permanente. Quand il y a le... Puis on va finir là-dessus. Moi, je suis disposé, hein, pourvu que ce soit clair, que les fondamentaux démocratiques soient clairement énoncés. Si tu y adhères, pourquoi tu ne les assumes pas? Et on voit, il a déjà parlé, on s'est retrouvé à Kaguir 9, il voulait me la faire, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, etc., avant le Dawr al-Nasmon. Nasarif al-Mustud. Nasissi, on a fait un siyasi. Alors il commence à dire, non, c'est pas grave, c'est en gros c'est un détail, etc. Non, c'est pas justement. Pour toi c'est un détail, pour moi c'est très important. Donc c'est marqué que chini le détail, puisque c'est un détail pour toi. C'est plus facile pour toi. Donc vous ne pouvez pas avancer vers une démarche capitale pour le destin de la collectivité nationale, sur des malentendus ou des pièges en permanence. Donc, moi, je reste sur ce que je dis, hein. C'est pas parce que je suis têtu. Oui à toute discussion, indépendamment du parcours, de l'origine, des convictions de la personne, mais ce qui fonde
la vie démocratique ne doit plus être négociée. Et c'est parce qu'on n'a pas tranché cette question que 2019 a échoué, que le pays évolue encore aujourd'hui entre les mains de gens qui l'ont pris en otage, effectivement. Donc ça, il ne faut pas se laisser complexer. Il ne faut pas se laisser complexer là-dessus. Une dernière fois. On ne veut pas de concession sur la mémoire. La déclaration du 1er novembre, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous assure qu'elle a été écrite. Qu'elle a été écrite d'abord en français et traduite en arabe. Moi je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Mais c'est un fait. C'est une réalité factuelle, historique. Eh bien, vous allez dire ça, non. Il est interdit de présenter la déclaration qu'a faite Mohamed Laïchaoui, qui était un journaliste de l'Ahmou, sous la dictée de Boudiaf et de Didouche. Boudiaf et Didouche. Quand vous commencez à falsifier l'histoire comme ça, où va-t-on aller? Où va-t-on aller? Moi, il y a des choses auxquelles je n'adhère pas, vraiment, hein, qui ne sont pas, qui font pas partie de mes convictions, mais je vous jure que je les endosse. Vous lirez le tome 3, il y a des gens avec lesquels mon chemin a divergé, mais je vous jure que j'en ai parlé avec sérénité, que j'ai restitué tout ce qu'ils ont fait, ceux qui ont lu le livre peuvent au moins me faire crédit de ça. La falsification de l'histoire, c'est le début du désastre du futur. Fermez-nous.